Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Comment ça va? Ça fait longtemps, hein? Ça fait une semaine. Une semaine. La semaine et depuis une semaine là, depuis une semaine, j'espère que ça va. Moi, je vais bien par la grâce d'Allah, alhamdoulilah. Voilà, donc je vais vous lire les titres et puis je vais commencer, Inch'Allah. Quatre sujets, bon, plusieurs sujets dans les quatre, hein. Mais si Allah nous le permet, voilà, nous allons parler, bon, je vais parler de l'insécurité routière, les accidents et tout, vous comprenez. Manifester est un droit, mais l'immersion gouvernementale, les bourses des Guinéens, on avait déjà en parlé, les pensions aussi, on avait déjà en parlé, il y a eu quelques nouvelles, voilà, rapidement de Charles White et de Ali Touré, rapidement, parce que ce sont eux qui sont à la mode en ce moment, et puis le CNRD et l'armée guinéenne, Inch'Allah, si Allah nous le permet. Voilà. Donc, l'insécurité routière, vous êtes au courant? Sous nous, sous nous, sous nous. Sous nous sommes, sous nous sommes. Ok. Bonsoir, comment tu vas, mon frère? J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alhamdulillah, je vais bien. La chaleur a commencé ici. Bon, moi, j'ai la mer, nous sommes en Bretagne, ça va aller, Inch'Allah. Donc, concernant l'insécurité, il y a plusieurs problèmes. Déjà, nous n'avons pas de route. Rebonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. J'espère que vous avez passé une bonne prière du Djouma. Moi, ça va, par la grâce d'Allah. Donc, nous n'avons pas de route. Ça, c'est un premier point. Il n'y a pas de route en Guinée. Ce n'est même pas dire que c'est des bonnes routes. C'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pratiquement pas de route. Ça, quand je dis qu'il n'y a pas de route, je vais parler aux gens qui sont hors de la Guinée, qui vivent par ici, qui savent c'est quoi les routes, les vraies routes, les bonnes routes. Et vu qu'on copie les Occidentaux, donc forcément, moi, je vais dire qu'il n'y en a pas de route. Voilà, il n'y en a pas du tout. Quand on dit autoroute en Guinée, quand on vous montre une autoroute, c'est ciel et terre, c'est jour et nuit. Il y a ce point, il y a ce premier point. Ça, c'est le truc côté économique, le côté que tout le monde connaît. Voilà, ceux qui n'ont pas voyagé ont du mal à comprendre. Mais nous savons que beaucoup dans une famille ou quelqu'un que tu connais quand même a voyagé, voilà, qui peut, quand il est là en vacances, il te dit comment sont vos routes. Voilà, vous pouvez vous rendre compte que nous avons ce problème-là. Il n'y a pas de route. À part ça c'est l'État. Voilà. Le deuxième côté, les auto-écoles. Bon, voilà, on apprend à conduire, comme vous savez, comment chacun a appris en général, où nous le savons, cela. Même si on apprenait dans les auto-écoles, vu qu'il n'y a pas de route et que les routes ne remplissent pas les conditions qu'il faut, tout ce qu'il faut et tout que vous connaissez d'habitude dans les vraies auto-écoles, par ici et tout, ça ne. Bon, ça va être très. C'est très, très difficile, c'est très, très compliqué. Tout ça rentre dans ce cadre-là. Maintenant, le cadre spirituel que je vais vous expliquer, que j'explique depuis des années, que la Guinée, le plus gros problème, ce n'est pas seulement la Guinée, c'est le monde, c'est l'humanité. L'un des plus gros problèmes de la Guinée, c'est le côté spirituel. Je l'explique régulièrement. Je pense qu'il y a des gens qui le savent, mais vu que ça ne les arrange pas, ils ne veulent pas aller sur ce côté-là. Le Guinéen va. C'est-à-dire, vous allez utiliser toutes les méthodes que vous voulez, les autres pays vont utiliser ces méthodes-là. Ça va marcher pour vous, ça ne marchera pas. Tant que vous n'appuyez pas votre marche arrière, revenir votre créateur,
revenir vers votre Créateur. Nous sommes dessus. Inch'Allah. C'est une question de temps. Peut-être, les vidéos sont là. Moi, je dis seulement. Parce qu'il faut que je dise quand même. Demain, pourquoi tu n'as pas dit, il faut que je dise. Quand on prend les accidents, c'est la saison des pluies. Les pauvres petites routes qui sont là, elles sont très, très glissantes. Ce n'est pas un débat. Là où il n'y a pas de goudron, c'est que la boue. Ça aussi, vous le savez. C'est creusé, creusé partout. C'est-à-dire, c'est la jungle. En Guinée, il n'y a rien. On se demande ce pays-là, sur quelle base ça s'est reposé jusqu'à aujourd'hui. Parce que ceux qui voyagent, c'est à eux que je parle. Celui qui a toujours été en Guinée, ce que vous voyez à la télé, là, les routes, c'est comme ça elles sont. C'est ça les routes, c'est ça les autoroutes. Quand, c'est ça. Donc, regardez les films. Quand vous allez voir les routes, là, c'est les routes là que je vais dire. C'est ça les vraies routes. Quand vous allez dans les autres pays à côté, ils copient un peu pour ça. C'est-à-dire, nous-mêmes, on ne copie même pas. C'est nous, il n'y en a même pas. Maintenant, quand je viens du côté spirituel, quand les Guinéens mettent les goudrons là, ils vont aller consulter le marabout. Le marabout va écrire ses bêtises qu'il dit que c'est arabe, que lui, il va demander à Dieu. Il va rêver la nuit. Un chayatin va venir lui raconter ses bêtises. Il va vous dire, il faut tuer 10 bœufs pour mettre le pont là. Il faut faire ci, il faut faire ça. Les chèvres ou tout ce que vous savez, ça, c'est pas l'islam. Non. Donc, ça, c'est un premier contrat de la route avec les mauvais djinns. Ça, c'est le premier contrat. Le chauffeur qui conduit, allez-y regarder dans une voiture. Si vous ne voyez pas le citron, vous allez voir les amulettes, je ne sais pas comment on dit ça, les cèdres là, qu'on met là, et puis on met le cuir dessus, ou alors on met les papiers, on plie le papier avec des écritures arabes écrites dessus. Si ce n'est pas dans la poche, c'est accroché à la voiture, c'est dans le... Ah, vous savez ce que je veux dire. Ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, la majeure partie des Guinéens ont ces choses-là sur lui. Donc, tu as au moins un passager qui a ça sur lui. Toi, le chauffeur, tu as pour toi. Minimum un passager. La route a pour lui. Donc, ça veut dire que le pays est dans la main de ces choses-là. Ça fait des années que je le dis. Ce n'est pas caché. Mais vu que ce côté-là, il faut être sincère avec son Créateur, qui que tu sois, où que ce soit. Et vu que tout le monde n'a pas cette sincérité et cette certitude, je le dis régulièrement, ce n'est pas que prier. Prier, c'est une obligation. Tout le monde prie. Mais quand tu pries là, tu pries parce que c'est une obligation, bah, ou parce que tu pries parce que c'est une obligation et que tu as la sincérité et que dans la certitude que tout ce que tu es dedans là, c'est le Allah là qui gère ça. C'est lui qui va te guider. Quand tu prends une voiture, tu n'as pas besoin de verser de l'eau avant de voyager. Ce n'est pas bon. Je le dis régulièrement. Vous avez toujours des gens qui disent que il faut faire tel sacrifice. Il faut donner l'eau à la mosquée. Il faut donner le lait. Il faut donner ci. Il faut donner ça. Vous le faites. Vous n'en avez pas besoin. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que j'en parle. Ne me dites pas que parce que je n'ai pas de visibilité que ça ne se voit pas. Je vais vous dire un secret. Toutes les personnes, quand tu parles, leur âme, quelque part, sait qu'il y a une dame. Si je suis sincère dans ce que je fais avec Allah, je ne parle pas de vous, hein. Vous là, ma sincérité avec vous là, ce n'est pas intéressant. Si je ne suis pas sincère avec mon Créateur, ou si je suis sincère avec mon Créateur, tous les groupes de chayatines qui sont en Guinée là, ils sont au courant de mon existence. Ils ont leur représentant ici sur Facebook. Ceux-là me regardent. Ils savent que ce que j'ai dit est vrai. Mais ils s'en fichent. Donc à un moment donné, moi je vous l'ai dit, je l'ai dit ici il y a quelque temps, que Allah juge entre moi et ce peuple-là. Ceux qui se battent contre le gouvernement, vous aussi, il faut vous battre contre eux là-bas. Mais comme chaque peuple mérite les chefs qu'ils ont, mais on est tellement de mauvaise foi et de mauvaise volonté que le Guinéen veut changer, même les écritures coraniques. Non, c'est écrit, mais ce n'est pas voilà pour la Guinée. Ça même, ce n'est pas normal de dire ça. C'est comme quand tu dis que en politique, on ne peut pas faire de politique en islam. On ne peut pas cumuler l'islam à la politique. Mais tu cherches le pouvoir. Tu veux que Allah te donne le pouvoir. Toi, tu dis ça. Et tu le penses. Tu penses que ton Créateur est content de toi. Et celui qui se bat, au fond de lui,
il se dit que non, moi, ma victoire, là, c'est Allah qui va me le donner. Au fond de lui, honnêtement et sincèrement, tu penses que tu vas battre celui-là? Inch'Allah, tu ne le battras pas. Parce que c'est tout ce que Dieu cherche, c'est tout ce que Allah cherche, cette sincérité et cette certitude. Tu peux avoir la foi, mais tu n'as pas la sincérité et la certitude dans la foi. C'est comme quand tu cherches le pouvoir, tu vois le pouvoir, mais tu n'as pas la vision du pouvoir. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Ok. Donc, quand on prend tous ces facteurs-là, on va aller accident sur accident. Parce que je l'ai déjà dit, quand la Guinée a été créée, je garde les vidéos pour demain, Inch'Allah. Un être humain, quand tu es créé ou quand un pays est créé, tu prends, il y a deux routes. La Guinée a pris l'autre route. La Guinée l'a pris comment? Si nos arrière-grands-parents, nos ancêtres dont vous aimez régulièrement parler, le Guinéen parle plus de ses ancêtres, les Africains parlent plus de leurs ancêtres que de leurs créateurs. Vous allez comprendre, quand le Guinéen parle, moi, ce sont mes grands-parents, mes ancêtres qui ont fait ci. Vous avez déjà entendu combien de Guinéens dire que ici, là, c'est Allah qui a créé la Guinée, là. C'est Allah qui a donné ça. Donc, on va aller dans son sens. Il y en a combien qui le disent? Pas beaucoup. Ou pratiquement, il n'y en a pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Quand les gens prient, même les religieux, moi, je l'ai remarqué. Et chez les religieux et en privé, c'est-à-dire avec mes connaissances, que je connais depuis des années, toutes leurs prières, je l'ai régulièrement dit ici, je le signale, peut-être que vous l'avez remarqué. Qu'Allah mène la paix en Guinée, qu'Allah nous donne un bon chef. Vous avez déjà entendu un religieux dire que Allah fasse triompher l'islam? Vous avez déjà entendu un religieux dire ça? C'est rare, ou il n'y en a pratiquement pas. Je suis toujours en train de rappeler les gens à l'ordre quand je discute avec eux. Ah, vraiment, Awa, que Allah nous donne un bon président maintenant. On a souffert. Qu'Allah fasse que nous soyons en paix. Qu'Allah fasse que nous aussi on vive bien. J'ai dit oui, c'est tout ça là, c'est très bien. Mais tu as oublié le meilleur. Quoi? Dis que Allah fasse triompher l'islam. C'est ce qu'il veut. Tu es créé pour ça d'abord. Ça, c'est ton premier combat. Mais tu ne veux pas faire cela, c'est-à-dire aller dans son sens. Tout ce qui est interdit, c'est difficile. Mais voler, mentir, tricher, détester son prochain et tout ce que vous savez, ça, c'est des petites bases que nous devons avoir. Que nous n'avons pas, que nous ne voulons pas appliquer. Parce que soi-disant, c'est compliqué peut-être, je ne sais pas. Mais nous allons tourner, nous allons tourner, nous allons monter, nous allons descendre. Ceux qui veulent grimper peuvent grimper. Ceux qui veulent le faire, tout ce qu'ils veulent, ils vont le faire. Mais ça fait des années. Hein? Ça fait des années que nous sommes dessus. Vous allez me dire, mais les autres, oui, les autres, nous Guinéens, Allah nous a créés pareil que non. Tout ce qu'il nous a donné, il a donné pareil qu'aux autres. Non, il nous a mis au-dessus des autres naturellement. Mais est-ce qu'on le lui rend bien? Qu'est-ce que nous, on a fait pour lui? Quand on demande à une personne, qu'est-ce que toi, tu as fait pour Allah? Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, je prie tous les jours. Oui, tu pries tous les jours, c'est une obligation. Tu vas à l'école parce que tes parents t'ont mis à l'école. Si tu ne vas pas, ils vont te frapper, donc tu y vas. Ça, c'est obligatoire. Mais est-ce que tu aimes les études? Non. La majeure partie des enfants n'aiment pas ça. Mais ils y vont quand même parce que leurs parents le veulent. Donc, ce côté des accidents, l'autorité doit prendre ses responsabilités. Ils sont en train de prendre des responsabilités, tout et tout et tout. Mais comme je le dis, moi, je suis plus sur la population maintenant. Parce que ce que je viens de dire, moi aussi, je l'ai fait. Hein. Avant de voyager, je vais regarder les coris chez les gens. On me dit les sacrifices que je fais. C'est interdit, mais je le faisais. Je fais mes sacrifices, je verse mon eau, je casse mon œuf dans la voiture, je donne ma boîte au lait à gauche, à droite, comme tout ce que vous savez, je voyage. Si c'est pour venir en Europe ou ailleurs, vous le savez, chacun de vous, là, pas tout le monde, mais la majeure partie, tu tues ton mouton, le bœuf, le ci, le ça, c'est interdit. Oui, parce que celui que tu vas consulter, il rêve. Et quelqu'un lui parle dans le rêve. C'est les chayatines qui les parlent. Pratiquement toutes les ethnies le font. Toutes les couches de la population. On le fait. C'est pas normal. Tout ce que toi tu fais là, moi je vais le faire. Paul va le faire. Pierre va le faire. Assata va le faire. Mabinti va le faire. Kadiatou va le faire. Mariam va le faire. Kadiatou va le faire. Issa va le faire. Ibrahim va le faire. Ça va dans le compte d'Iblis. C'est à lui que ça donne la force.
Un parti politique va le faire, le parti au pouvoir va le faire, ça va sur le compte d'Iblis. Ça ne va pas sur le compte qu'on va diviser, non. C'est lui qui aura la force. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et lui, il n'a pas d'amis. Quand il va finir son réseau, il s'en fout. Il va faire des accidents, il va vous tuer, il s'en fout. Lui, il veut manger, il veut se foutre de vous, il veut humilier l'être humain. Plus Allah aime un peuple, Satan fait tout pour humilier ce peuple. Plus, plus Allah aime un peuple ou une personne, plus Satan veut faire de toi un moins que rien. Le jour que tu vas sortir de là, le jour que tu vas sortir de tous ces micmacs du Satan, tu vas te rapprocher honnêtement et sincèrement de ton créateur. Tu vas avoir le monnaie de toi-même que qu'est-ce qui m'a pris même de faire ça. Pourquoi même j'ai fait ça? Mais quand tu faisais là, même si on te dit quoi, tu vas le faire parce qu'il est en toi, parce que tu le sais. Donc, le côté des accidents, il y a plusieurs facteurs, beaucoup de facteurs, trop de facteurs négatifs. Quand nous allons vouloir mettre, même si quand tu vas à l'intérieur du pays, moi j'ai déjà fait cette remarque plusieurs fois, les routes qui relient les villes, mais les goudrons sont comme ça, juste pour la voiture. Il n'y a pas la partie du piéton. La ville, on dit, oui, on va casser les maisons sont à l'ancienne, tout et tout, c'est compliqué, mais tu vas hors, en brousse, tu fais Koya Furikaria, tu fais ainsi de suite, les routes sont comme ça. Le piéton, difficilement, il n'y a aucun respect pour lui. Quelquefois, ils sont obligés de monter sur le goudron. Mais à part ce côté-là, le Guinéen a un genre de comportement aussi que je ne comprends pas. Moi, j'ai beaucoup peur des voitures. Quand je vais en Guinée en vacances, je vois une voiture, je cours. Je suis avec les gens qui se moquent de moi, je m'en fous. Je leur dis, écoute, la voiture n'a pas les yeux pour te voir, mais celui qui conduit a les yeux. J'ai dit, ma chère, moi, j'aime ma personne. Toi, comme vous, vous avez les yeux là, réglez ça entre vous. Moi, je cours pour traverser. Quelquefois, on attrape ma main, on me fait traverser. Parce que ici, vous savez comment ça se passe. Chacun a... Il y a un facteur qui a développé les Occidentaux, c'est le fait de respecter les règles. C'est très, très important. C'est le fait d'avoir des lois, des règles et de les respecter. Et quand je reviens à l'islam, l'islam c'est ça, c'est strict. Il y a les règles. Il faut faire ça à tel moment, à tel moment, à tel moment, à tel moment. C'est pourquoi je ramène toujours ça à cela. Parce que la majeure partie des gens sont des musulmans qui appliquent ça sur eux-mêmes pour bien se comporter. Donc vous êtes d'accord avec moi ? Qu'une partie de la population, la majeure partie de la population guinéenne, se comporte d'une façon pas très très bien. Vous allez partir dans les autres pays à côté qui ont vécu la guerre, vous allez voir leur population, comment ils sont disciplinés, comment ils se comportent dans les marchés, comment ils se comportent dans les familles, même quand ils ne sont pas musulmans, comment ils se comportent dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas comme les Guinéens. Il faut que nous reconnaissons ces choses. Si tu ne reconnais pas tes erreurs, tu ne peux pas changer. On ne changera jamais. Si on pense que nous, on est mieux, on est bien, non, on a nos défauts. Mes chers frères et sœurs, tu es un être humain, tu es comme un pays. On va prendre un être humain simple. Dieu me donne tout, toute la faculté. Mais toujours, moi, je suis à terre. Toujours, je suis humiliée. Toujours, je suis ridiculisée. Et il y a une autre fille qui ne ressemble à rien. Toute sa vie est mieux que moi. Mais à un moment donné, il faut que je m'asseye pour me dire, ah, peut-être que j'ai un comportement qui n'est pas bon. Non, 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 c'est pas moi, c'est l'autre. Ça aussi, c'est injuste de toujours rejeter la faute sur les autres. Ils ont leur faute. Ils vont se débrouiller pour régler ça. Toi aussi, tu te débrouilles d'abord pour te remettre en question, pour régler tes fautes, pour régler tes erreurs. Donc, les accidents, comme je le dis, il y a plusieurs facteurs. Beaucoup de facteurs qui font que il y a des accidents. Et si tous ces trucs-là ne sont pas réglés, bah, il y en aura régulièrement, astaghfirullah. Les coups de circuit, la fille qui a perdu, il y a des frères qui appellent des SOS, il faut, c'est sécurisé. Hein. Ceux qui sont hors de la Guinée, c'est sécurisé.
ce qu'ils sont en train de faire, c'est une très très bonne chose. Il faut essayer d'aider, de faire ce que vous pouvez faire pour les aider. C'est très très important parce que, bon, pour aider la petite qui a perdu ses deux parents et qui était au BEPC, quand on prend les incendies, tout ce qui est électricité, c'est très très sauvage. C'est très très mal fait. Ça dit, nous, on ressemble à qui? Qu'est-ce que nous, on fait normalement, nous, les Guinéens? Qu'est-ce qu'on fait correctement? Les chauffeurs de taxi, là, c'est des Guinéens. Leurs passagers, la plupart du temps, c'est des Guinéens. Le ministre de la Sécurité, le ministre qui s'occupe de la route et tout, des travaux publics, ça a toujours été des Guinéens. Les présidents, pareil, à part mon ancien ami qui était un peu, hein. C'est pas facile. On aura du mal à s'en sortir. Et moi, je sais qu'en réalité, le Guinéen lambda, quelle que soit sa mauvaise foi et sa mauvaise volonté, la plupart d'entre eux veulent que ça change. Mais comment? Ils se posent des questions. Ils sont inquiets, nous le savons. Ils sont inquiets, ils se débrouillent comme ils peuvent. Mais c'est le côté-là qui manque, je vais vous le dire. Ce n'est pas autre chose, hein. Je vais vous le dire. Et logiquement, vous devez être conscient de cela. Parce que quand un musulman, on demande à quelqu'un pourquoi tu es créé, il te dit, ah, moi je suis créé pour chercher de l'argent. Je pense qu'il n'a pas totalement compris pourquoi il a été créé. Mais si tu as été créé pour adorer ton créateur et qu'il y a des choses qu'il n'aime pas que tu fasses, à cause de lui, il y a des choses que tu ne veux pas faire. Pas à cause de Paul ou de Pierre, non, à cause de lui, pour lui faire plaisir. Parce que tu sais que si tu lui fais plaisir, il va te faire plaisir. Ça aussi, ça dépend. Hein. Même si tu lui fais plaisir, s'il n'a pas envie, il ne te fera pas plaisir. Mais au jour d'aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas grand monde qui parle dans son sens, vu que souvent, astaghfirullah, les gens écartent le Créateur, le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala, de leur programme, de leur projet et tout, parce que bon, on se moque d'eux, parce que bon, c'est pas normal, parce que bon, les gens ils vont pas regarder ça. Non, ça c'est pas son problème. Lui, c'est cette certitude. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde. Les quelques personnes qui vont le faire, il va les aider, il va les grandir, il va leur donner des solutions. C'est ça, c'est tout. Maintenant, ceux qui cherchent une autre solution ailleurs, bah, on la trouvera certainement. Inch'Allah, il faut continuer. Moi, je ne vois pas une solution pour un être humain, puisque il y a un Coran, il y a la Bible pour les catholiques, il y a des hadiths, il y a des exemples, il y a beaucoup de choses dont il faut s'inspirer. L'homme le plus célèbre de toute l'humanité, c'est notre prophète, le meilleur des hommes, paix et salut sur lui. On prend des exemples sur lui. Eh bien, c'est pas compliqué pour mieux vivre et pour bien vivre. Donc, si quelqu'un ne s'inspire pas de tout ça, vient te raconter des bobards et des conneries, ben, tu peux toujours écouter. Mais depuis que tu écoutes ça et depuis que tu suis ça, après, si ça t'arrange, ben, tu continues. Si ça t'arrange pas, je pense que tu dois appuyer ta marche arrière si elle n'est pas cassée. Après, si la marche arrière elle est cassée, ben, ça, c'est tant pis pour toi. Maintenant, nous allons parler de la manifestation du 23 juin. Voilà. Manifester est un droit, comme on le dit souvent. Vous connaissez ma position là-dessus. À peu près pendant un an, moi, j'ai sensibilisé en disant que nous pouvons venir manifester ici. Je me rappelle de mes termes. Nous pouvons venir brûler des pneus ici. Nous pouvons venir lancer des pierres ici. Rassurez-vous, les pierres vont les arriver là-bas. Hein. Facebook, c'est spirituel. Tu ne fais pas le côté spirituel, tu peux bavarder. Hein. Toute l'humanité te regardera. Tu vas gaspiller les passes des gens. Et dans quelques années, tu les trouveras en Guinée là-bas. Ça n'apportera rien. Hein. Ça va passer l'information. Tu seras informé que tel a fait, si tel a fait. Après, tu fais quoi? Tu ne peux rien faire. Ça va te faire mal à ton cœur et à ton âme. Et puis, basta, c'est tout. Tu peux rien, quoi. Comme ce à quoi on assiste régulièrement. Donc, comme on le dit souvent, je vais aller dans ce sens. Manifester est un droit, oui, mais on n'est pas dans un état de droit. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, il n'y a pas de constitution. Bon, il paraît que la charte de la constitution, la charte du CNRD, de la transition, l'autorise et tout. Ok, c'est une très, très bonne chose. Le côté, la nouveauté qu'il y a dans cette histoire de manifestation que je voudrais expliquer, parce que quand on se bat, quand on lutte, il faut avoir des nouveautés. Parce que tous les jours, on avance. Tous les jours, il y a des changements. Si toi, tu ne changes pas, ton adversaire va changer. Si ton adversaire, toi, tu connais, tu es prévisible, je le dis régulièrement, connais toute ta technique, je pense que ton combat est perdu d'avance parce qu'il sait là où taper, il sait qui tu es. Mais toi, tu ne connais pas ton adversaire. C'est ça le gros souci. Maintenant, vu que manifester est un droit,
Ceux qui veulent manifester, il y a plusieurs réclamations. La réclamation que j'apprécie un peu dedans, c'est le fait de déclarer ses biens, par exemple. Le fait de déclarer que le CNRD déclare ses biens, ça c'est une bonne idée. J'apprécie, oui, j'apprécie, c'est une bonne idée. Ils doivent déclarer, ou s'ils peuvent le faire, qu'ils le fassent. S'ils n'ont pas envie de le faire, mais ceux qui veulent qu'ils le fassent, vous allez vous battre pour ça, pour qu'ils le fassent. Ceux qui ne veulent pas qu'ils le fassent, mais eux aussi vont se battre pour ne pas qu'ils le fassent. Mais tous ces combats, comme je l'ai dit depuis quelque temps, il y a quelques mois, toutes ces revendications et tous ces combats, le plus important pour ces gens, je l'ai déjà dit, mais vous savez, la vérité, quelquefois, ça fait un peu mal. Les gens, ils n'apprécient pas ça. Bon, moi, je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Je ne veux pas faire plaisir aux gens, je veux faire plaisir à mon créateur parce que j'ai un avenir, j'ai un demain. C'est le demain-là qui m'importe, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ben, ça passe vite les jours quand on a bonne santé. Ceux qui ne sont pas en bonne santé, ben, qu'Allah leur donne la santé. Ceux qui veulent manifester aussi pour soutenir le CNRD, c'est leur droit. C'est là le changement. Nous n'allons pas toujours imposer aux gens de manifester contre ceux qui sont au pouvoir. Ils peuvent manifester contre ceux qui sont au pouvoir, c'est leur droit. Il faudrait qu'ils sachent que ceux qui sont au pouvoir, il y a des gens qui les soutiennent aussi, qui ont aussi le même droit. Puisque c'est un droit. Si on va dans ce sens, c'est un droit. Tout le monde peut manifester, pour ou contre. Celui aussi qui ne veut pas manifester, lui aussi, c'est son droit de ne pas vouloir manifester. On ne va pas le forcer. Mais vu que moi, je vois souvent dans les commentaires, quelquefois, je vois des gens qui en parlent. Quand on voit le RPG arc-en-ciel ou le RPG tout court, on a vu Mme Domani Doré qui est en train de parler de ça, qui leur parti ne veut pas manifester. Ils ne sont pas habitués à ça. Ce côté-là, le petit côté que j'apprécie, c'est que eux, ils ont subi beaucoup les manifestations. Ils connaissent les conséquences. Qu'ils se rallient à la manifestation, ça allait être un peu contradictoire. Déjà, ils n'ont pas manifesté quand on a... Bon, ils ne sont pas trop pour ça. Voilà. Pendant les 10 ans, ça les a beaucoup... ça les a dérangés. Donc aujourd'hui, s'ils veulent faire la même chose, certaines personnes, moi-même, je vais me dire, ah, donc aujourd'hui, vous aussi, vous manifestez. C'est un peu bizarre, mais bon... C'est les aléas de la vie, ça dépend des problèmes qui se passent, les circonstances. On s'adapte aux circonstances, aux problèmes que nous avons maintenant, aux problèmes que nous allons avoir demain. Nous allons nous adapter aux problèmes qui se passent. Donc aujourd'hui, eux, ils ne veulent pas manifester. Chacun aura sa petite explication dessus. Moi, l'explication que j'ai sur ça, c'est que je l'explique très, très régulièrement. Il y a une partie de la population qui n'est pas trop démocratique, comme moi, par exemple. Voilà. Je me dis que c'est une option. Ça ne veut pas dire que dans 2 ans, dans 3, dans 4 ou dans 5 ans, que je ne veux pas réclamer une élection. Eh bien sûr, parce qu'il faut que je le précise aussi, c'est une option. Ce n'est pas que c'est coûte que coûte, non. Voilà, c'est une pause, c'est un petit break, c'est un petit stand-by. Voilà, pour mettre certaines choses au point et pour redémarrer après avec la démocratie. Il faut que ce soit clair. Voilà. Donc, il y a une partie de la population aussi qui est démocratique, bien entendu, mais qui n'aime pas les manifestations. La plupart des Guinéens n'aiment pas les manifestations. Manifester, je le dis régulièrement, ceux qui manifestent, ils ne manifestent pas pour aller mourir. Hein. Eux, ils pensent qu'ils vont changer quelque chose. Bon, moi, un jour, je vais appeler à une manifestation, Inch'Allah, si Allah me le permet. Ça sera dans le sens islamique. Je vais voir combien de musulmans j'aurai dans la rue. Par exemple, pour le port du voile, pour ce genre de choses. On va voir s'il y en aura autant que pour la démocratie. Inch'Allah, on le verra bien. Ça viendra, un de ces jours, ça viendra. Si Allah nous le permet. Donc, je pense que le RPG, voyant sa situation et tout, n'a pas envie de se mettre à dos cette partie de la population. Ils veulent toujours faire porter le chapeau aux mêmes catégories de personnes, aux mêmes personnes qui ont l'habitude de manifester. Pour juste faire croire que, ah, ils disaient ici que c'était Alpha Condé, mais aujourd'hui, c'est pareil, ils sont encore en train de manifester. Donc, vous voyez que c'est pas Alpha Condé le problème. En fait, c'est ceux qui veulent manifester le problème. C'est juste politique, c'est juste pour un peu se blanchir, pour un peu dire « Oh non, 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 nous, c'est pas nous, c'est pas notre truc. » Voilà. Après, c'est leur droit. Comme je le dis, ceux qui ont envie de le faire, ils vont le faire pour soutenir ou pour contre. Ceux qui n'ont pas envie de le faire, bon, personne ne peut obliger quelqu'un à le faire. Donc, il faut que ce soit clair. Ce que les gens ils ont envie de faire, on ne va pas leur empêcher. Mais le gros problème est que vu qu'ils l'ont interdit, moi, je n'ai pas beaucoup apprécié qu'ils aient interdit, je vous l'ai déjà dit, malgré que je n'aime pas les manifestations. C'est la façon de manifester que je n'apprécie pas.
Et pour moi, ça ne donne pas grand-chose. Ça, c'est moi qui pense ça. Je ne vais pas le dire ici depuis à peu près un an. Pourquoi aujourd'hui je vais... C'était le moment de dire aux gens de manifester. Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais leur dire de le faire. Moi, j'avais mes méthodes. Ce sont les méthodes-là que j'ai dit. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? J'en sais rien. Voilà, je continue sur la même méthode. Je fais mes invocations, je fais mes jeûnes parce que je n'ai pas le même combat peut-être que les autres. Peut-être que j'ai un combat, c'est la folie, peut-être que je suis folle, j'en sais rien. Mais dans l'avenir, on le verra. Moi, j'aimerais bien que l'islam triomphe. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de femmes voilées. J'aimerais bien que les Guinéens s'approchent de leur créateur. J'aimerais bien que la majeure partie des Guinéens, s'il le faut, que tous les Guinéens se comportent islamiquement, qu'ils soient propres, qu'ils soient corrects, qu'il y ait moins de corruption. On ne va pas obliger les gens à le faire, mais je l'ai déjà dit, je ne sais pas par quelle méthode Allah il va passer, si c'est par maladie, si c'est par quoi, j'en sais rien, pour faire que ce pays-là aille dans ce sens, que l'humanité aille dans ce sens, que la Guinée soit un miracle islamique. Ça, moi, j'ai été un miracle. Ça, c'est mon souhait, c'est ce que moi, je souhaite. Mais quand je réfléchis logiquement, Allah, il va me refuser cela. Je ne crois pas s'il va me le refuser. Peut-être qu'il va retarder, peut-être qu'il n'est pas prêt, peut-être qu'il va voir jusqu'au à quel niveau je suis prête à aller, ce que je suis capable de faire, est-ce que je vais résister très longtemps, j'en sais rien, mais c'est ça mon objectif. C'est comme quelqu'un qui cherche un pouvoir pendant 40 ans, mais finalement il l'a eu, après nous avons vu les résultats, bon, c'était pas des résultats, bon, enfin, bref, on va laisser celui-là là où il est. Donc je ne vois pas si moi je fais ça pendant 10, 15, 20 ans, où est le problème, je ne vois pas là où est le problème, hein. Je peux le faire aussi, je peux me le permettre, Inch'Allah. Progressivement, il y aura des routes. Donc, les démocrates sont sur ma route, l'armée est sur ma route, le CNRD est sur ma route, celles qui mettent le produit, les faux cheveux et tout, ils sont sur ma route. C'est pas eux mon objectif, mais ils sont juste sur mon chemin. Donc, si tu es sur mon chemin et que tu me déranges, bah, tu te pousses un peu, tu me laisses passer. Voilà, c'est tout. Donc, c'est un peu ça de ce côté. Ceux qui ont envie de manifester, bah, bienvenue, hein, dans les deux sens. Ceux qui veulent soutenir le CNRD comme moi, ben, vous manifestez, vous les soutenez si vous avez l'autorisation. Maintenant, le côté que je ne comprends pas, moi je l'ai déjà expliqué. Si les gens insistent à manifester, vous les laissez manifester. Et puis, je l'ai dit plusieurs fois, vous mettez des drones pour les filmer, pour savoir ce qui se passe, pour savoir comment ils se comportent, pour savoir... pour avoir les yeux sur eux à distance. Nous sommes dans les temps modernes, c'est possible. Maintenant, cadrer une manifestation, amener l'armée, amener ci, amener ça. Du moment que la manifestation, elle est interdite, qu'est-ce que tu vas cadrer un truc que tu as interdit? Je ne comprends pas ça. Tu as interdit. Qu'est-ce que tu vas cadrer? Tu n'as rien à faire là. Les autorités, ce côté-là, je ne vous comprends pas. Si vous avez interdit et que ceux qui veulent sortir, ben, qu'ils sortent des deux côtés. Parce que ce que moi qui me fait peur, ceux qui sont contre... Ceux qui sont pas le CNRD aujourd'hui vont sortir. Un autre jour, je l'ai déjà dit, d'autres personnes, qu'ils soient peu ou nombreux, peu importe, ça dépend qui est en train de manifester. C'est ça aussi, qui manifeste. Voilà, qui est dans la rue aussi. C'est pas tout le monde qui est tout le temps dans la rue. Hein. Il y a des catégories de personnes qui ne manifestent jamais. Et quand une certaine catégorie de personnes commence à manifester, ça interpelle. Donc à ce moment-là, il y aura souvent des petites manifestations à gauche, à droite. Je pense que peut-être qu'il y aura une confrontation où ils vont s'affronter un de ces jours. Peut-être, j'en sais rien, qu'Allah nous épargne de cela. Donc, il faut que les autorités, pardon, réfléchissent énormément sur ce point, parce que je pense qu'il y a certaines catégories de personnes aussi qui aimeraient bien, c'est dommage de le dire, qu'il y ait des morts, parce que là, à ce moment-là, ça salit le régime qui est en place, ça salit ceux qui sont en train de gouverner. Oh, ils ont commencé à tuer, mais bon, tous les régimes tuent, quoi. C'est ça le souci dans ce pays. Tous ceux qui viennent au pouvoir tuent. Et souvent, ils tuent souvent la même catégorie de personnes. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut s'asseoir et réfléchir et voir les choses d'une autre manière. Après, chacun voit les choses comme il a envie de voir. On ne peut rien imposer à personne, hein, comme je le dis. Moi, je ne suis pas trop pour ça. J'ai ma façon de manifester. Je manifeste, je porte, je fais ma plainte tous les jours. J'apporte à mon créateur. Voilà, jusqu'au jour où il me répond. S'il a envie, s'il n'a pas envie, ben, il ne le fera pas. Hein. Ça ne va pas m'empêcher de le faire toute seule, chez moi.
Après, ceux qui veulent faire autrement, ben, bon courage, vous pouvez le faire. Maintenant, l'immersion gouvernementale, les boursiers, voilà. Je vais parler des boursiers. Les boursiers, j'avais déjà parlé de ça ici. Nos frères et sœurs ont beaucoup du mal à obtenir leur bourse. Après, ils ont même nommé Hadia Hacha, l'ancienne ministre et tout. Nous avons parlé de ça ici. Nous avons parlé des bourses. Donc, le CNRD, quand on signale, quand je signale quelquefois certaines choses, essayez de prendre au sérieux parce que bon, moi, ceux qui sont en Russie là, qui sont en train de manifester, tout ce que je veux signaler de ce côté, c'est que il y a des gens qui se plaignent. Oui, j'ai vu une vidéo hier, un garçon qui dit que les autorités russes les a dégagés et tout, et tout, et tout. Et peut-être c'est parce que ce sont les autorités guinéennes qui ont donné des consignes. Nous connaissons la Russie. La Russie, les Russes n'aiment pas les manifestations. Je ne crois pas, ils n'aiment pas trop ça. C'est pas des gens très démocrates. Donc, que la Guinée leur donne, c'est possible aussi que la Guinée ait donné des consignes, c'est possible, pourquoi pas, c'est possible, il y a beaucoup de pourcentages que ce soit possible, mais il se peut aussi que ce ne soit pas les autorités guinéennes, que les autorités russes elles-mêmes, ils ont déjà des problèmes, ils ont leurs problèmes là-bas avec l'Ukraine et tous les autres problèmes qu'ils ont. Je pense qu'ils ne vont pas trop apprécier qu'il y ait un groupe, excusez-moi du terme, d'Africains qui soit là à parler de leur bourse de 50 euros. Ça, c'est pas... la Russie qu'on connaît n'accepterait pas ça, quoi. Donc, vu que les étudiants disent qu'ils ne vont pas prendre les 50 euros, moi, je les conseille d'abord de prendre les 50 euros et qu'on se batte pour que ça augmente, voilà, pour que ça augmente progressivement. Nous allons prendre en compte qu'avec la crise entre la Russie et l'Ukraine et tout ce qui se passe un peu partout dans le monde aujourd'hui, que les transactions bancaires puissent être un peu compliquées à ce moment, ce n'est pas, je ne veux pas dire que c'est ça, mais il se peut qu'il y ait ça, il faut voir ce facteur, mais je l'avais signalé la fois dernière, que les transactions soient compliquées ou pas, je pense que si l'État met sa bonne foi, ce n'est pas impossible. Aujourd'hui, tout est possible. Vous vous dites, ce sont nos enfants qui sont là-bas. Ils n'ont pas de quoi manger. En Tunisie, au Maroc, nous avons déjà parlé de ça. Ce sont des gens qui comptent sur ça, même s'ils ne comptent pas sur ça. C'est-à-dire, c'est le minimum qu'ils puissent avoir. Il faut le leur donner. Il faut le leur donner. C'est... Voilà, quand on parle de pension, le monsieur qui est passé au GG hier ou avant-hier, qui parlait de pension depuis combien d'années. Vous voyez, donc toutes ces choses, ce sont des Guinéens qui s'occupent de ça. Ce n'est pas des Sénégalais, ce n'est pas des Maliens, ce sont des Guinéens qui ont fait leurs études en Guinée, qui ont évolué là, tout le monde vole, tout le monde triche, tout le monde ment, tout le monde est malhonnête. Donc, du pied à la tête, ça, c'est compliqué. Si les gens ne sont pas sensibilisés, c'est des musulmans, que leur dire que ce que vous êtes en train de faire, bouffer la pension des gens, bouffer la pension des comment on appelle ça, des étudiants, des bourses et tout, votre créateur ne peut pas être content de vous avec ça. Non, il ne peut pas être content parce que cet argent ne vous appartient pas. C'est très très simple, c'est très très compliqué. C'est pourquoi je vous dis souvent d'associer l'islam à la politique et à tout. Parce que sinon, tout est permis. Quand Allah n'est pas quelque part, chacun fait ce qu'il veut. Mais les gens ne se rendent pas compte, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, comment c'est grave. Quelqu'un va aller écrire là-bas, ah, Dieu n'a rien à voir dans ça. Oui, mais Dieu n'aime pas le vol. Mes chers frères et sœurs, l'argent de la pension, ce n'est pas pour toi. La bourse des étudiants, ce n'est pas pour toi. La bourse des étudiants, s'il y a de l'argent, même s'ils demandent 500 dollars, peut-être c'est trop. Mais peut-être 100 ou peut-être plus, j'en sais rien. Les autorités compétentes, vous prenez ça comme votre priorité. Vous n'avez pas été élu. Donc, il y a des choses que vous devez avoir comme priorité dans votre programme. Quand il y a des trucs comme ça, le faire. Parce que vous, aujourd'hui, vous pouvez vous imposer, faire certaines choses, même si vous ne voulez pas utiliser les armes. Mais le côté armes-là reste dans la tête de certaines personnes. Donc, ils se mettent à la tâche. Ces étudiants-là ont honte. C'est comme pour les passeports. Ils ont honte parce qu'ils ont leurs amis. Ils ont des gens d'autres pays qui sont là. C'est embêtant. Nous avons, même si on n'a pas vécu ça, mais on a des gens qui ont vécu cela. Nous sommes là à l'étranger. Nous voyons le regard. Quand tu es Guinéen ici, on voit le regard des autres communautés. Si tu n'es pas quelqu'un qui a un caractère et que tu es vraiment intégré, quand tu dis Guinéen, vous comprenez. Voilà. Donc, la plupart des membres du gouvernement et autres
ont vécu à l'étranger, ils savent de quoi je suis en train de parler. Et il faut se battre pour ça, quoi. Il faut se battre pour ça. Il faut faire de ces choses-là votre priorité. Le passeport, avec les petites enquêtes et les petits appels que j'ai eus à gauche, à droite, les gens sont très, très mitigés dessus. Moi, j'ai des gens que je connais, d'autres que je ne connais pas, tout mélangé, tout confondu, tout parti politique confondu, toute ethnie confondue, qui se disent que ah, moi, j'ai eu mon passeport en une semaine. Quelqu'un d'autre va te dire, moi, j'ai eu mon passeport en 3 mois. Quelqu'un d'autre va te dire que moi, j'ai été en Guinée, j'ai fait toutes mes vacances, je n'ai pas eu mon passeport. Il y a quelqu'un qui va te dire, moi, j'ai juste payé 500 000. Il y a quelqu'un d'autre qui va te dire, j'ai payé 3 200 000. Il y a quelqu'un d'autre qui va te dire, j'ai payé 1 million. Il y a quelqu'un d'autre qui va te dire, j'ai payé 2 millions. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui va te dire, hey, il n'y a aucun problème. Voilà, elle envoie la photo, tout et tout et tout. Bon, comme ils disent, ah, il ne faut pas afficher, donc je n'affiche pas. Moi, j'ai eu mon passeport, voilà la date, voilà le tout, 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 je l'ai eu en temps. Mes enfants l'ont eu en temps, ça s'est passé très, très rapidement, en une semaine, j'ai tout eu. Quelqu'un d'autre va te dire, moi, je n'ai... Vous voyez, donc c'est un peu bizarre cette histoire de passeport. Chacun dit sa part et que, quoi qu'il en soit, il y a des gens quand même qui ont des problèmes de passeport. Ça, au moins, c'est clair. Donc, il faut se débrouiller, le CNRD et son gouvernement et tout, malgré que le colonel m'a dit, moi, c'est mon président que je soutiens. Ça, ce sont des choses qu'il faut mettre les bouchées doubles. C'est un français. C'est-à-dire mettre la pression pour que les gens reçoivent leur passeport, essayer de régler cette histoire de bourse pour que ce soit une priorité. Parce que si c'est bouffer l'argent, le CNRD, vous aussi, vous êtes en train de bouffer. Ce n'est pas un débat. Tout le monde bouffe. Vous aussi, vous êtes en train de bouffer votre part là-bas. Donc, en bouffant votre part, pensez qu'il y a les enfants des autres quelque part. Et ça, là, ce que vous bouffez là, même si vous devez diminuer ça, diminuer ça pour qu'ils aient leur argent. Parce que c'est une très, très mauvaise image. Ce n'est pas du tout joli. Quand il y a des gens d'un côté qui parlent passeport, il y a quelqu'un d'autre qui va aller se lever pour parler des bourses. Tout est lié à l'affaire d'argent là. Mais quand tu creuses dedans, il y a des gens qui sont en train de bouffer. Ce n'est pas que ce n'est pas débloqué, mais c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de bouffer ça là-bas. Et c'est des Guinéens. Souvent, c'est des musulmans. Mais peut-être qu'on ne leur a pas expliqué que ce n'est pas bien de voler. On leur dit tous les jours que de la gérance de l'État, c'est laïque, tu peux voler. Donc, l'affaire d'Islam, là, les Guinéens vont beaucoup regretter ça, Inch'Allah. Énormément. L'humanité va regretter, mais les Guinéens vont beaucoup regretter. Beaucoup. Un être humain ne peut pas vivre sans ça. Non. Ça veut, c'est-à-dire, tu vis sans ça, tu vis comme un animal. Ça veut dire que tout est permis. Ça veut dire que tu peux marier ton frère, tu peux marier ta soeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi. C'est le style de vie, c'est le mode de vie, c'est l'état d'esprit. Ça te dit comment vivre, ça te dit comment faire les choses correctement et proprement. C'est tout. Et quoi faire, quoi ne pas faire à tel moment, à telle date, à telle période. Voilà. C'est le mode d'emploi de la vie. Voilà. Comment vivre, quoi. Après, bah, les pensions des retraités, je l'ai dit, il y a des gens qui prenaient des pensions. J'ai entendu les chiffres, j'ai dit, bon, ok, je n'ai même pas envie de terminer ça parce que, bon, voilà. Maintenant, Charles White et Ali, le monsieur Ali Touré, je crois qu'il est Touré, hein, ce monsieur Krief, ça, ce sont des gens qu'il faut encourager. Moi, je les encourage énormément, je le dis régulièrement. Chaque fois que je peux le dire, je vais le dire. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une première. La première chose, elle est très, très difficile, elle est très, très compliquée. Voilà. Parce que l'endroit où tu fais, ceux-là, pour eux, c'est une première. C'est une première pour les Guinéens. Eux qui sont en train de faire, c'est une première pour eux. Donc, nous, on ne comprend pas certaines choses. Eux aussi, ils ne comprennent pas pourquoi on ne comprend pas. Quelquefois, on se pose des questions. Pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça? Ils vont faire beaucoup d'erreurs, ça, c'est clair. Nous allons avoir des réactions très, très mitigées, très, très bizarres. Mais je l'ai déjà dit, je vais encore le répéter régulièrement. Quand ils vont partir, c'est-à-dire c'est eux les cobayes, dans quelques années, nous allons comprendre. Ceux qui vont venir après eux vont mieux faire. Ceux-là vont mieux faire parce que Charles White a été cobaye, parce que Charles White a fait ses erreurs, parce que Charles White a pris des risques, parce que le Ali Krief là aussi a pris ses risques. Lui aussi, il a fait des erreurs. Quelqu'un d'autre va s'inspirer de ça dans quelques années pour faire un truc plus joli et mieux
qu'aujourd'hui, mieux que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le premier téléphone n'était pas comme il est aujourd'hui. Le premier ordinateur n'était pas comme ça. Le premier avion n'était pas comme c'est aujourd'hui. Il y a eu plusieurs. Et l'un des gros problèmes de nous, les Africains, on a peur de l'inconnu. On a peur de faire ce que personne n'a jamais fait. Parce qu'on va se moquer de toi. Parce que tu as peur d'échouer. Parce que quelqu'un d'autre n'a jamais fait de qui je vais m'inspirer. Parce que les gens vont dire ci, parce que les gens vont dire ça. Oui, les débuts sont bizarres. Les débuts, ce que quelqu'un d'autre n'a pas encore fait, c'est compliqué. C'est comme moi ce que je fais. Les gens, ils ne comprennent pas parce que ça ne les arrange pas. Ils trouvent ça bizarre. Tu veux des élections transparentes dans quelques années. Mais celui qui doit organiser les élections, s'il n'est pas dans les bonnes conditions, s'il n'est pas soutenu, rassure-toi que les prochaines élections, ça sera comme d'habitude. Hein? Voilà. Donc, si une personne n'arrive pas à comprendre cela et que la personne pense seulement à elle, je ne sais pas, je sais même pas les façons d'analyser. Il y a des moments où je ne comprends pas les façons d'analyser des gens. Mais l'avenir nous le dira. Parce que l'avenir aussi, il faut être patient. Inch'Allah, si tu es patient, demain, peut-être. Certaines personnes seront dans les regrets, peut-être que moi je serai dans les regrets, mais comme je vous le dis régulièrement, moi dans ma vie, la seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est d'avoir découvert l'islam aujourd'hui. Mais je me dis que c'est ça mon destin. Allah a voulu que ce soit maintenant. Voilà, Allah a voulu que ça se passe en France, pas en Guinée, que ça se passe au moment où ça s'est passé. Je me dis, c'est mon destin qui a été comme ça. Voilà, mais si j'ai un regret dans la vie, si on me demande qu'est-ce que tu regrettes, ça je le regrette. Mais que voulez-vous? Mais il a fallu que je passe par tout ça, faire des bêtises et des conneries, et qu'aujourd'hui, je peux m'asseoir par rapport à mon expérience personnelle, vous dire, quand j'utilisais les produits éclaircissants, c'était comme ci, quand je mettais les faux cheveux, c'était comme ça, mon sommeil était comme ci, je ne savais pas que c'était lié à ça, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était lié à ça. Mais je ne l'aurais pas fait, je ne l'aurais pas su. Maintenant, l'imam va te dire que ce n'est pas bien parce que tu vas brûler. C'est ce que je dis aux imams. Les gens, ils s'en fichent de ce qu'ils vont brûler demain. La plupart des musulmans aujourd'hui veulent savoir comment vivre leur islam et bien vivre. C'est ça leur problème. Comment cet islam peut les rendre heureux? Ce n'est pas comment ils vont brûler ou ils ne vont pas brûler. Quand ils vont être heureux ici, ils vont bien se comporter ici, c'est là-bas qu'ils auront. Après, ils auront le paradis. Mais s'ils ne se comportent pas bien, s'ils ne savent pas comment se comporter, on les brûle les oreilles tous les jours. Ah, le feu t'attend, oui, le feu t'attend, mais comment j'aurai le bonheur ici? Donc, une communication, une très très mauvaise communication. Et un autre côté des islamistes, ils ont beaucoup de choses que moi je n'apprécie pas. Certes, j'ai des choses qu'ils n'apprécient pas, mais je pense que vu qu'ils sont un peu serrés, coincés, ils n'ont pas trop le choix. Ça va être compliqué pour eux de sortir leur tête. C'est pas facile. C'est compliqué parce qu'eux-mêmes ont compliqué les choses. Quand tu parles, il faut des hadiths, il faut des versets, il faut tout ça. C'est bon, les gens le font depuis des années. Mais y a, ça, c'est un truc là. Ça, c'est à double tranchant. La plupart des Africains et de beaucoup de personnes qui ont de mauvaise foi, qui sont de mauvaise foi et qui ont la mauvaise volonté, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah, l'islam, c'est pour les Arabes. La mauvaise foi, la mauvaise volonté fait que ça les bloque, ça les calme. Ah, mais c'est ce que vous dites là. Oui, on ne peut pas prier. On ne prie qu'en arabe. Mais le reste, les invocations, demander les services à Allah et tout, on peut le faire dans toutes les langues. Comment lui poser tes problèmes, on peut le faire dans toutes les langues. Maintenant, tu peux connaître tous les hadiths du monde, tu peux tout connaître dans toute l'humanité, islamiquement. Si tu n'as pas la sincérité, la certitude, la foi, un petit garçon de 10 ans ou de 12 ans là, mais il va te terrasser aller-retour dans tous les sens, tu ne vas rien comprendre. Parce que tu n'as pas cette sincérité, cette certitude. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas compliqué. C'est une question d'âme. C'est les âmes. Tu es beau, bah, tu es grand, bah, tu as... Non, non, non. Allah, c'est l'âme. C'est l'âme. Même l'être humain, c'est ton âme. Nous allons sur le physique et tout, parce que bon, souvent, bah, l'humain est comme ça, il est comme ça. Mais malheureusement, c'est malheureux, c'est triste. Donc, concernant l'immersion gouvernementale, à Télémélé, les prisonniers ont 1 litre d'eau par jour, il paraît. Bon, c'est des prisonniers. Je vais revenir à l'islam. La dame Fatou Badiar et tout,
Elle l'a dit quand elle est sortie, ça m'a beaucoup choquée. Elle a beaucoup été soutenue par la communauté catholique, et pourtant elle est musulmane. Vous voyez, est-ce que les musulmans vont dans les prisons pour sensibiliser? C'est pendant les moments difficiles de ta vie que tu rencontres ton Créateur. Vous savez que dans les pays comme la France, beaucoup de personnes profitent de ça pour aller former des djihadistes dans les prisons. Voilà, ça c'est pas bon, ça c'est pas du tout bon. Parce que ces gens-là, à ce moment-là, sont dans des positions très très difficiles. Mais quand vous formez des trucs dans les prisons, les religieux, vous allez voir les prisonniers. Pourquoi ils ont volé? Ce n'est pas bien de voler parce que Allah n'aime pas qu'ils volent et tout et tout. Moi, je vous ai dit que je connais des gens qui ont changé aujourd'hui, qui volaient beaucoup dans leur famille et tout, parce qu'ils rêvaient que l'argent est là-bas. Il va, il prend. Voilà. Je lui ai dit, mais après, comment tu as arrêté? Il dit, moi, j'ai rêvé que j'avais arrêté de voler, qu'il a dit, non, le rêve là, il est faux. Moi, je ne vais pas arrêter. L'affaire là, ça m'arrange. Mais finalement, il a arrêté. Donc, je le dis régulièrement, les Guinéens pensent que tous les rêves viennent d'Allah. Non, la plupart des rêves des Guinéens viennent des chayatines. Ça ne vient pas d'Allah. Même si ça se réalise, il faut en sorte que ça se réalise. Les chayatines, moi, je rêve que ça s'est passé. Il va aller rentrer dans ton corps pour faire en sorte que toi aussi, tu fasses ce que lui m'a montré. Ils nous mélangent. Donc, il faut faire la différence entre tout ça. Mais eux, ils ne veulent pas qu'on sache cela. Il n'y a pas 50 000 problèmes. Hein. Nous allons tourner, monter, descendre, tourner en rond. Bah, quelques années, peut-être, vous allez penser à moi. Je n'aurai pas le temps. Je le signale souvent. Quand je parle, je signale certaines choses. Demain, quelqu'un va venir me dire, ah, toi, avant, oui, chaque chose en son temps. Le temps de la Guinée. Mais demain, si la France a besoin de moi, Guinée, bye bye, au revoir, merci. Les anciennes vidéos sont toujours valables. Voilà. Ouais, maintenant la France la paye. Maintenant elle est avec les Français. Non, non, elle n'a même pas notre temps. Ah oui, c'est ça. C'est ça la vie. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Quand c'est passé, c'est un peu difficile de revenir en arrière. Donc, ce qu'on te dit au moment où on te dit là, c'est le moment là. Voilà. Si les gens refusent de changer, ils refusent parce que c'est un refus. Quand tu fais les vidéos là, tu parles du cannabis qui n'est pas bon. Le chayatine qui s'occupe du cannabis en Guinée sait qu'il y a une Marie Soko qui a parlé de ça. Ne craignez même pas. Il est au courant. Quand tu parles de musique, le chayatine qui s'occupe de musique, parce que ce n'est pas toutes les musiques qui sont sataniques, c'est les instruments de musique. Je l'ai déjà expliqué. Ces instruments-là, tout est déjà prêt. On a Afrobeat et quoi là. Tu vas, tu cliques, tu prends. Pourquoi maintenant tout est prêt? Ce qui est mis dedans, tu sais ça? Tu ne le sais pas. Ils mettent ça dans ça. Je vous l'ai déjà dit. La musique là ressasse dans ta tête. Vous écoutez une musique par jour, ça ressasse dans ta tête. Moi, j'avais ça avant. Aujourd'hui, j'écoute tout ce qui est coranique. Je ne le comprends pas. Mais ça se ressasse dans ma tête. Ça remplace la musique. Il y a quelque chose qui fait que ça se passe comme ça. Donc, ils sont au courant, ne vous inquiétez pas. C'est juste un refus. Quand le chayatine qui s'occupe du cannabis va arrêter de fumer le cannabis, il va se convertir. Tous les cannabiseurs vont arrêter. Et ben, ça, c'est clair. Ben, croyez-moi, Inch'Allah, ils arrêteront. Hein. Celui qui s'occupe de la musique satanique en Guinée, quand on te le montre, on dit c'est ce musicien, vous n'allez pas me croire. Mais le jour que celui qui est dans son corps va se convertir à l'islam, son âme sera convertie, croyez-moi, il deviendra un imam. Ah ben, ce n'est pas un débat. Hein. Celui qui s'occupe de la coiffure, quand il sera converti par là-bas, il va interdire ses. Tous ceux qui les représentent sur Facebook, ils vont tous changer. Parce que tous, ils ont tous leurs représentants ici, tous. Et tous savent au fond de leur cœur et de leur âme qui est Marie Sissoko, ils le savent. Si Marie Sissoko est sincère ou pas, ils le savent. Oui, ils ne vont pas vous le dire, mais ils le savent. Ils savent où ça va finir. La plupart de ces chanteurs-là, Inch'Allah, le savent. Ils savent qu'un moment va venir, les portes seront fermées. Ils le savent. Il y a un comédien qui est décédé, il paraît. J'en parle souvent. La comédie et le théâtre est interdit en islam. Vous le savez? La plupart des gens ne le savent pas. La plupart des gens ne le savent pas. C'est interdit. Je le dis régulièrement. Ce qui est interdit, tu le fais. Tu t'attends à quelle fin? Paix à leur âme, qu'Allah les aide. Ça, c'est la logique des choses. Moi, je le sais il n'y a pas longtemps. Je le sais il n'y a pas longtemps. Je ne le savais pas. Donc les gens ne sont pas sensibilisés. Ces comédiens vont se mettre à rêver. Ils pensent que le rêve vient d'Allah. Le lendemain matin, ils se font à mettre la comédie. Parce qu'il n'est pas sensibilisé, parce qu'il ne le sait pas.
tu rêves, il faut donner sans sacrifice. Et moi, il y a quelquefois, quelqu'un qui m'a dit une fois, il a rêvé de quelqu'un, il a dit de donner combien de courage. J'ai dit, hé, il ne faut pas donner. Tu as le courage chez toi que non. Toi, tu as déjà attrapé un courant que non. J'ai dit, tu n'as jamais attrapé un courant, tu n'as jamais lu, même en français. Tu vas donner un sacrifice. J'ai dit, chez les chayatines. Non, 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 c'est islamique. J'ai dit, c'est pas islamique. Donne les courants. Demain, une autre fois, tu vas faire un autre rêve. Ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, on va te dire que ta femme ne veut la laisser. Il trouve une porte. Finalement, une fois, il a rêvé qu'il n'a qu'à donner sans perdre les choses en sacrifice. J'ai dit, ça c'est coranique. Il dit que non. J'ai dit, voilà, ils ont trouvé leur porte d'entrée. Toi-même, tu peux te lever, tu donnes des courants. Mais par curiosité, par rapport à la curiosité même que tu as, tu peux feuilleter, prendre le courant, le lire en français, pour ta propre compréhension. Tu ne le fais pas, tu vas le donner à quelqu'un. Oui, tout est bon, mais bon, il faut qu'on soit quelquefois, il faut qu'on ait un peu de bonne foi et de bonne volonté. Donc, les gens ne sont pas informés. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Énormément de choses. Quand on vous dit tous ces chanteurs-là, c'est qu'ils vivent la nuit. Mais c'est incroyable. Ces gens-là souffrent. Vous avez vu l'histoire de James. C'est Allah qui l'a sauvé, c'est Allah qui l'a aidé. Notre sœur Madana, c'est Allah qui l'a sauvé, c'est Allah qui l'a aidé. Mais regardez Michael Jackson, comme il a fini sa vie. Regardez Whitney. Tous les autres-là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle est devenue dépressive. Elle est devenue folle, il est devenu fou, il ne dort pas la nuit, il faut le piquer pour qu'il dorme. Il voit des choses, il voit des animaux. Mais les musulmans savent que ça c'est vrai. C'est ceux qui sont en train de servir qui viennent les prendre après. C'est pas la folie, c'est pas des conneries, c'est la vérité. L'autre chanteur, c'est Lil Wayne ou qui là. Je l'aimais beaucoup parce que moi aussi je portais des locks avant. Même avant de porter des... Je l'aimais énormément ce garçon qui avait beaucoup de tatouages sur tout son corps, les dents machin là et tout. Regardez-le à un moment donné, ce qu'il est devenu, je ne sais plus, mais à un moment donné, il était devenu tout maigre et tout. Ça, c'est quelqu'un qui piquait des crises pendant des heures, il dormait. Mais quand il se réveille, il écrit des trucs, mais incroyables. Parce que les messages passent pendant le sommeil. C'est tout. Ces gens-là ne savent pas dans quoi ils sont. Ils ne le savent pas. Et tout ce qui est rêve, ça vient d'Allah, ça vient de Dieu. Il y a beaucoup de chanteurs en Guinée qui rêvent, ils partent sous l'eau. Quelqu'un écrit la chanson, on lui donne. Mais ça, c'est Satan qui est sous l'eau là-bas. Mais ils ne le savent pas. Donc, juste après demain, on leur dit que chanter, c'est pas bien. Il ne veut pas savoir que... Il ne veut pas que tu saches qu'il a rêvé. Il dit, mais moi, j'ai rêvé de ma musique. Au fond de lui, j'ai rêvé de ma musique. Tu dis que c'est pas bon. Mais c'est Allah qui m'a montré ça. Donc, ça, c'est des sensibilisations. Que ce que je vous dis là, que les imams, ils ne connaissent pas ça. Voilà. Les imams ne le savent pas, c'est pas tout le monde qui le sait. Ceux qui le savent, moi je connais des gens qui font des vidéos qui le savent. Il y a quelques années, j'en ai en parlant. Il dit, mais ma soeur, ils vont te prendre pour une folle. J'ai dit, ah, c'est parce qu'ils vont me prendre pour une folle que je ne vais pas le dire. J'ai dit, mais toi, tu es plus fou qu'eux alors. Ils ne le savent pas, il faut le leur dire. Même s'ils ne t'écoutent pas, c'est pas grave. Il paraît qu'il y a des envoyés de Dieu demain qui n'auront même pas une seule personne de leur communauté derrière eux. Maintenant, toi, tu vas parler à 13 millions de personnes. S'ils ne t'écoutent pas, c'est un problème. C'est pourquoi on doit s'inspirer d'eux. Eux aussi, excusez-moi du terme, ont été nos cobayes pour aujourd'hui. Ont pris ces risques-là pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous, on en fait? On les écarte complètement de nos vies parce que soi-disant, on va se moquer de nous parce que soi-disant, c'est des anciennes choses. Mais heureusement que moi, je suis en France, hein. Les gens me le disent souvent, mais heureusement que toi tu es en France. Si tu n'étais pas en France, on te voit, tu voyages et tout. Si ce n'était pas le cas, ça allait être encore plus catastrophique. Il y a quelqu'un qui est dans son obscurité là-bas, elle ne veut rien comprendre, elle ne veut rien savoir, elle pense qu'elle est émancipée, elle pense qu'elle connaît tout. Tandis qu'elle essaie de prendre la mer, excusez-moi du terme, mais elle ne veut rien savoir. Hein. Donc... Ça ne va pas changer si vous ne changez pas. Hein. Je suis désolée de vous dire ça. Je le lis tous les ans. Je le lis régulièrement. Et puis, voilà, quand il faut après critiquer les hommes politiques, nous allons les critiquer. Nous allons les insulter. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, il faut voir de l'autre côté aussi ce qui ne va pas. Mais apparemment, on dirait que ça ne va pas par là-bas aussi. Voilà. Donc, ces prisonniers, qu'est-ce qu'on fait d'eux? On les sensibilise, on ne les sensibilise pas. Un litre, ils sont déjà en prison.
Les conditions de vie en prison en Guinée, nous connaissons ces conditions de vie. On peut leur faire 2 litres d'eau ou 3 litres d'eau par jour pour qu'ils puissent au moins boire. Ils peuvent pas manger à leur faim, mais ils peuvent quand même boire. Voilà. Ça ne se... Déjà, la Guinée, même, c'est la survie. Même quand tu es dehors, c'est la survie. Quand tu es en prison, ça, c'est un autre débat. Maintenant, si tu ne peux pas boire de l'eau là-bas, franchement, ça, c'est compliqué, c'est difficile. Après, l'hôpital de Télémélé qui se plaint, ils n'ont pas de gynéco, ils n'ont pas de chirurgien. Comment expliquer ce genre de choses? Tu es malade à Télémélé, tu es malade à Fourikaria, tu es malade à je ne sais pas où, il faut te transporter jusqu'à Conakry. Les routes ne sont pas bonnes. Il faut te transporter. Donc, un chirurgien, ça fait des études. Les gynécos, c'est des études. Après, vous avez le matériel. Nous avons parlé des couveuses à un moment donné. Dans tout Conakry ou dans toute la Guinée, il y en avait combien? Mais là où il n'y a pas de gynécos et de chirurgiens, vous allez parler de couveuses là-bas? Mais non. Vous n'allez pas parler de couveuses. Parce qu'il y a une armée couveuse, ça c'est fabriqué, ça c'est acheté. Le fils du pays même qui est là, qui peut être gynécologue, il n'y en a pas. Donc, il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller à l'intérieur. Ça c'est un truc depuis très très longtemps, il y a des villes que les gens n'ont pas envie d'aller parce que tout est concentré à Conakry. Donc il faut essayer de se creuser la tête. Aujourd'hui, le CNRD peut se permettre de faire certaines choses, de se creuser la tête, de faire en sorte que de rediriger, j'en sais rien, de délocaliser certains ministères, qu'est-ce que j'en sais, ou de créer certaines conditions pour que les gens partent à l'intérieur du pays. Voilà. Aujourd'hui, ils ont donné, aujourd'hui ou hier, ils ont donné des chèques à certaines femmes de la basse-côte, certains groupements à Kindia et certaines et autres, pour les teinturières, les coopératives et tous ces micmacs des femmes, c'est une très très bonne chose. Mais à Kindia, il y a des couveuses dans tous les hôpitaux, je ne crois pas. Ce que vous avez fait, ça aussi, c'est une très très bonne chose, c'est votre travail. C'est l'argent de l'État, c'est logique, c'est normal, on n'a même pas à vous remercier, ça c'est votre devoir. Il faut le faire. Ça, ce sont des dames qui se battent et tout et tout. Mais je l'ai dit avant la fête du Ramadan, pendant tous les efforts qu'elles sont en train de fournir, pendant les fêtes, vous allez porter les habits des autres. Quand je vous dis que le niveau sorcellerique est très élevé dans ce pays, vous vous fâchez. Comment quelqu'un peut faire ça? Je préfère toute l'année porter les habits des autres et quand il y a des fêtes exceptionnelles et extraordinaires, honorer mes sœurs qui sont là. Ce que la ministre portait, Nanette Conti, c'est très très joli. Je pense que c'est du Kindia. Ce que les autres dames portaient, il y avait beaucoup de dames qui portaient des trucs de Kindia. C'est très très joli. Moi, j'en porte souvent. Mais ceux qui portent ça en Guinée ne sont pas plus riches que moi. Ils ne sont pas mieux que moi. Mais à un moment donné de la vie, je vous l'ai dit, il faut se remettre en question. Hein. Sinon, vous allez passer ou nous allons passer toute notre vie à ça. Hein. Vous savez combien la Guinée apporte au Mali? Combien la Guinée apporte au Sénégal? Combien la Guinée apporte à la Côte d'Ivoire? Un habit, seulement un habit. Vous pensez à cela? Vous pensez à vos soeurs, les teinturières à travers la Guinée, comment ça les fend leur cœur? Comment ça leur fait mal? Hein? Donc, il y a beaucoup de mauvaise foi au niveau de cette population. Et si on ne change pas ces choses-là, tu enlèves l'argent dans les mains de ta soeur, tu vas le donner à quelqu'un d'autre. Et ça fait des années que c'est dur. Ça dure. Quand je vous dis que tout ça là est contrôlé dans l'invisible là-bas, par les Guinéens eux-mêmes, vous allez me dire que ce n'est pas possible. Ce qu'ils ont fait à ce pays-là. Ce qu'ils ont fait à ce pays-là. Certaines parties de la population. C'est Allah qui va vous payer. Moi, je vous l'ai dit, je ne vous pardonne pas. Ma plainte, là, ça n'ira pas au tribunal. Mais c'est chez mon créateur là. Tous les jours, je lui pose ça. C'est-à-dire, tant que moi, je ne vois pas ce pays-là, Allah l'a récupéré islamiquement, mon ébarque. Parce que c'est là que vous allez regarder dans le rétroviseur. Toutes les familles vont casser leur rétroviseur à ce moment-là pour dire que oui, nous étions dans l'erreur. Et ça, ce n'est pas un petit combat.
C'est pas un petit combat. Humainement, je peux dire que je suis seule. Mais je ne suis pas seule. Le Créateur ne va pas refuser ça, Inch'Allah. Il ne peut pas refuser ce genre de choses. En ces temps modernes, une femme qui a ça au fond d'elle, qui pense ça tous les jours, ça me hante, ça me... C'est-à-dire, je ne sais même pas ce que je pense de cette situation islamique-là. Pour toute l'humanité, mais surtout, surtout pour l'Afrique, en particulier pour la Guinée. Et c'est une femme qui pense ça. Ah, ça ne vous fait pas réfléchir? Ça doit vous faire réfléchir. Ça doit vous faire énormément réfléchir. Énormément réfléchir. J'ai beaucoup de personnes qui ne sont même pas islamiques, même aujourd'hui. J'ai un cousin, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé, qui me l'a dit. Il me dit, ça fait des années que tu parles de ça, que moi je commence à te croire. Que combien de morts en l'intervalle d'une semaine? Hier, je parlais avec une copine qui m'a dit pareil. Elle dit, ma chérie, combien de morts? Qu'il y a un problème dans ce pays-là. On a fait quelque chose à Allah. J'ai dit d'abord, pour commencer, toi, tu arrêtes tes produits éclaircissants. Tu arrêtes tes faux cheveux. Ça sera un bon point. Elles vont t'appeler tous les jours. Ah, mon mari, tu m'as donné tel truc, je fais, ça ne marche pas. Mon mari, là, il ne change pas. J'ai dit, oui, ma chérie, regarde, toi et moi, on s'habille pareil. Que non. J'énumère des choses. J'ai dit, toi, je n'ai pas vu ta photo la fois dernière. Tu avais ta perruque, tout ton corps dehors. Oui. Ton mari est toujours dehors. Quand il va dehors, il va chercher qui? C'est pas les perruqueuses que lui. Allah t'a tout donné. Tu lui as donné quoi, toi? Au téléphone, silence, elle dit rien. J'ai dit, il faut me répondre. Toi, tu as donné quoi à Allah? Tout ce qu'une femme doit avoir, Allah t'a tout donné. On se connaît, ça fait plus de 20 ans. Tu as fait quoi pour lui? Tu priais avant moi, tu jeûnais avant moi. Aujourd'hui, compare-toi à moi. Moi, j'ai changé. Elle s'est mise à pleurer. Wallahi, ma copine, tu as raison. J'ai dit, ben voilà. Fais-lui un cadeau. Fais un cadeau extraordinaire à ton Créateur. Elle me dit, oui, j'ai vu tes photos. Même tes ongles, tu as coupé. J'ai dit, oui. Je les ai coupés. Je vais lui faire plaisir à lui. Je ne me pose pas la question. Hein, si mon mari va aller chercher quelqu'un qui a les ongles de sorcière, là. Non, je ne me pose pas cette question. Il n'a qu'à aller prendre même un chat. C'est leur problème là-bas. Mais moi, mon Créateur, là, je vais lui faire plaisir. Toutes les façons que je connais qui peuvent lui faire plaisir, c'est ça que je vais faire. C'est ça le plus important pour moi. Le reste, là, c'est les détails. Moi, c'est pourquoi il y a des choses, même. Je ne calcule même pas ça. Vous pensez qu'il va me faire perdre? Inch'Allah, il ne me fera pas perdre. Inch'Allah, il ne me fera pas honte. Parce que même si je fais des erreurs, il sait que les erreurs que je fais, là, moi, ma finalité, là, c'est ce que je vous dis, là, c'est ça ma finalité. Tout le reste, là, est sur ma route. Je suis obligée de les toucher en passant. Mais demain, dans un an, dans deux ans, dans 50 ans, 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, peut-être que je serai morte. C'est Allah seul qui sait. Quelqu'un d'autre va mieux faire que moi. Mais il y aura un petit fou quelque part ou une petite folle qui va dire, y avait une dame là. J'ai ses vidéos ici. La dame là a dit ça? Oui. Ça fait combien d'années? Ça fait tel nombre d'années. Vous les Guinéens, vous n'avez pas écouté cette dame-là? Non. Il te signale, il t'insulte. La nuit, tout leur problème, c'est toi. C'est Allah seulement. Eux-mêmes disent que non, la dame-là, c'est Dieu seulement. Sinon, elle était déjà morte aujourd'hui. Vous pensez que ça, c'est un jeu? Ce que je fais là, c'est comme si tu prends ton micro, tu t'arrêtes en Guinée. Un truc rempli de produits ça, de faux cheveux, de tous vos chanteurs. Je prends un micro sans garde-corps. Je dis tout ce que vous faites là, c'est pas bon. Vous allez voir le jour là. Ah ouais, c'est ce que je... Quand ça, c'est plus grave que l'autre là-bas. Parce que ça va dans l'invisible. Je vous ai déjà dit, Facebook. Quand tu connais Facebook, tu vas pas mettre ta photo. Je vous l'ai dit. Ceux qui mettent les photos de leurs enfants, arrêtez. Les photos d'anniversaire là, arrêtez. Fêtez les anniversaires là, arrêtez. Surtout, posez la bougie dessus. Chaque anniversaire, chaque un an, un être humain doit s'inquiéter que j'ai un an de plus aujourd'hui. Et mon enfant de 2 ans là, 3 ans aujourd'hui. Demain, l'année prochaine, il aura 4 ans. Grâce à qui? Grâce à Allah. Je lui ai donné quoi? J'ai fait quoi pour lui? Et oh Allah, j'ai décidé aujourd'hui. Perruque là, merci, c'est fini. Mes cheveux, manger là, j'ai gardé ça. Ah, comme même c'est manger là, je couvre même.
Je couvre pour te faire plaisir. Pour lui faire plaisir à lui. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Non, c'est à lui. Peut-être qu'il nous a donné des vilains cheveux pour qu'on couvre. Quand je regarde l'islam dans tous les sens, je dis, mais c'est créé pour l'Afrique. C'est créé pour l'Afrique, c'est pas créé pour quelqu'un d'autre. Maintenant, l'armée et le CNRD. C'est toujours l'affaire d'islam. Vos militaires qui violent tout le temps, qui tuent tout le temps là. Vous leur avez expliqué pourquoi ils sont créés dans les camps, dans les casernes. Ils prient. Les militaires prient. Quelqu'un a déjà posé ce problème. Quelqu'un, une délégation part, des gens, des religieux partent souvent pour les sensibiliser. Quand vous avez la gâchette facile là, qu'on ne tue pas son prochain, même si vous avez des armes, c'est interdit. Tu dois prier 5 fois par jour. Quand l'heure de prière arrive, vous les chefs là, dans les casernes, vous avez des petites mosquées, des églises. Parce que quand j'avais des mosquées, il n'y a pas seulement les catholiques, les musulmans. Moi, mon affaire, c'est l'islam. Pour leur dire que l'heure de la prière arrive. Allez-y prier, ceux qui veulent. Mais c'est obligatoire. Leur expliquer certaines bases islamiques. Ça, c'est le travail des religieux. Toutes les couches de la société, vous devez reprendre cette l'affaire d'islam là, sur toutes les couches de la société. Toutes les couches. Quand je vois que le colonel Mamadi Doumbouya, quand il va dans les mosquées, il y a des gens qui disent que c'est du populisme. Eh bon Dieu de bon sens. Ça, c'est quel peuple ça? Ça, c'est quel genre de peuple ça? Un président qui va dans les mosquées, c'est du populisme. Vous voulez qu'il aille dans le maquis? Ou qu'il aille où? C'est un musulman? Vu que vous, le peuple, vous ne vous rappelez pas que la solution, c'est l'islam. Je l'ai dit plusieurs fois. Le monsieur là va découvrir ça. Je vous l'ai déjà dit. Lui, il le sait, je vous l'ai dit. Il sait que c'est là-bas. Beaucoup de Guinéens sont au courant qu'il y aura un truc islamique dans ce pays. Mais ça va venir comment? Et il est au courant de ça. Il cherche cette route-là. S'il trouve la route-là, il va mourir là. Pour l'enlever. Allah Akbar. C'est là que le Guinéen va dire que oui, Allah existe. Parce que tant qu'il ne fait pas de miracle dans ta vie, wallahi, tout ce que tu lis dans le Coran, là, tu vas dire que non seulement c'est écriture. Vous n'avez pas... Tout le temps, les gens m'appellent pour me dire que le monsieur la cherche sa route islamiquement. Il la cherche. Il sait que c'est là-bas. Maintenant, comme lui, il sait que c'est là-bas, il est en train de chercher, vous appelez ça populisme. Maintenant, s'il est sincère dans son cœur avec le Créateur, vous allez vous débarrasser de lui comment? Parce que nous, les Guinéens, nous, on pense automatiquement que personne n'est sincère. Chacun pense que c'est lui celui qui est sincère. Que ce soit, quel que soit le domaine. Mais quelquefois, vous dites, les mamadis nous mouillent là. Et si il avait la sincérité et la certitude dans la foi? Et s'il l'avait? Comment on va faire? Ça vient, Inch'Allah. Moi, je prie pour qu'il soit un bon musulman. Parce que vu que le peuple refuse, je vous entends toujours dire, non, non, non. Quand tu touches l'âme qui est devant, toutes les personnes, quand tu touches un chanteur, pourquoi leur femme se fâche? Parce que leur âme est rattachée à lui. Quand il tombe, toutes les âmes qui sont rattachées à lui vont tomber. C'est pareil pour un homme politique. C'est pareil pour un président. C'est les âmes. Votre physique, là, on s'en fout. C'est les âmes, là, qui les grandissent. C'est pourquoi tu peux avoir une seule âme qui peut aider toute l'humanité. Une seule âme qui peut aider un pays. Quand on tombe sur cette personne-là, on s'en fout des autres. On s'en fout éperdument. Et on ne calcule même pas les autres. C'est pourquoi nous voyons tel prophète est venu à telle communauté, tel prophète est venu pour ci, Jésus est venu pour ça, et tant. C'est comme ça, c'est ça. Donc, si le colonel Mamadi Doumbouya a découvert ça, ou bien il l'a toujours su, c'est quoi son travail? C'est de faire en sorte, même si on se moque de lui,
c'est de faire en sorte que cette armée-là ait au moins cette petite sensibilisation islamique pour elle-même, pour les aider à comprendre et à savoir certaines choses. Les forces spéciales avec les cheveux coupés, coupés là. Ici, ici, et gros, hein, la crête là. En tout cas, en France, ici, on l'appelle la crête. Ils comprennent ce que je veux dire. Mais il y a la coupe militaire. Pourquoi vous coupez les bords et vous laissez ça ici? Ça, c'est pas bon. Il faut enlever ça. Il faut qu'ils aient une bonne coiffure. Même si on ne voit pas. Mais moi, je vois que par ici, certains ont ça. Certains ont les côtés coupés, c'est pas bien. Les femmes qui font ça à vos fils, laissez les gros gaillards là, ils n'ont qu'à faire. Laissez NRD, il faut enlever ça sur les forces spéciales là. Donc, à avoir la boule coupe normale, simple, c'est tout. Et il faut, le côté islamique là, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer, il faut les laisser prier. Il faut bien réfléchir. Quand le colonel Mamadi Doua, quand tu vas dans les mosquées, aller à l'improviste, c'est très très bien. Tu as le droit d'aller dans toutes les mosquées. La fois dernière, nous on parlait ici, c'était vendredi passé. Là, on m'écrivait, je ne voyais pas. Ici aussi, on m'écrivait, j'avais désactivé les commentaires. Il était à Bambeto. C'était très bien puisque c'était quelqu'un qui avait sa jambe qui était touchée. Certains disaient qu'il avait reçu 10 balles ou une grenade. Enfin bref, c'était pas mal que. Après une longue absence, qu'il est débarqué dans une mosquée, c'est une très très bonne chose. Mashallah. Il y avait beaucoup d'élèves à la sortie. Voilà. Mais il faut qu'on comprenne une chose. Ça ne veut pas dire forcément que c'est lui qui a dit aux élèves de venir. Il y a des gens aussi qui veulent faire je ne sais pas quoi, qui font leur truc pour dire que, ah, il y a des gens qui sont avec toi, il y a des gens qui ne sont pas avec toi. Il y a beaucoup de monde dans cette zone, il n'y a pas beaucoup de monde dans cette zone. Moi, je l'ai dit, si le colonel me regarde et ses adeptes me regardent. Colonel, je te soutiens, yati, yati. Vrai, vrai. Mais tu n'as pas été élu. Tu te rapproches de ton créateur. Qu'il fasse de toi un miracle. Que toi, tu montres à l'humanité entière que Allah, là, il peut sauvegarder un pouvoir. Il peut faire résister, riposter et guider une personne sur le sens positif. Si toi, tu as découvert cette solution, tu montres cette solution aux autres, aux siens. Tu peux te lever, aller dans n'importe quelle mosquée. Tu n'informes même pas. Tu n'as pas besoin de tout ton bataillon de 50 voitures là. Non. Sécurité, 2-3 voitures, c'est bon. Tu es en train d'aller prier. Ta sécurité est dans la main de ton créateur. Moi, quand je fais mes vidéos, je veux que Allah soit mes oreilles, ma bouche, mon nez. C'est ce que je lui dis. Je m'assois devant ma caméra. Je dis avant d'allumer qu'il me guide. Qu'ils me grandissent, qu'ils fassent que tout ce que je soutienne grandisse, que tout ce que je soutienne gagne, qu'ils donnent la victoire à l'islam, qu'ils me donnent la victoire. Si je ne suis pas avec lui, qu'ils fassent en sorte que je sois avec lui. C'est ça qui m'importe. C'est ce que je dis. Donc c'est ce que je vais dire à tout le monde, d'être sincère avec ton créateur. C'est tout. Ton mari est à quoi? Tes enfants sont montés là-bas. Ils sont... Quand tu auras chaud, ils vont tous te laisser. C'est chacun son âme. Donc, quand tu vas prier, tu mets ta sécurité. Si tu as la sincérité, la certitude dans la foi, que c'est Allah qui t'a donné le pouvoir. Si ce n'est pas lui qui t'a donné, fais en sorte que ça se transforme en son pouvoir qui t'a donné. Qu'il fasse de toi un bon musulman. Un très, très, très bon musulman. Tu vas prier. Ceux qui aiment prier parmi tes gardes, tu les prends avec toi. Tu as besoin de 2 seulement pour garder. Est-ce que ça même c'est nécessaire? Il faut que je me renseigne. Tu es dans la maison de Dieu. Tu enlèves tes lunettes. Je me suis renseignée. Il paraît que les lunettes, ce n'est pas interdit. Parce qu'il suffit que le nez touche le front, la main, les pieds et tout. Touche, ce n'est pas les yeux qui vont toucher le sol, non. Que c'est pas. Mais moi, je préfère
que tu enlèves tes lunettes dans la mosquée. Paraît que ce n'est pas interdit, mais c'est ce que moi je préfère. Voilà. Maintenant, à la sortie de la mosquée, il y aura toujours des gens qui seront curieux de te voir. C'est comme ça. Il y a des gens qui vont venir te voir. Si les gens ne viennent pas, ce n'est pas grave. Tu as prié, tu es content, tu es heureux, tu vas discuter avec les imams. Les imams n'ont pas de salaire, ce n'est pas normal. J'en ai déjà parlé. Il faut mettre ça dans votre projet. Les imams n'ont pas de salaire, ce n'est pas normal. Il faut répertorier les mosquées. La fille qui a perdu ses parents dans cet incendie, celle qui fait le brevet et tout, ça relance le programme des orphelinats. J'en ai parlé il y a quelques temps. Répertorier, Madame Nanette Conté, répertorier qui est qui, tous ceux qui s'occupent de ça. Répertorier ces orphelinats-là. Vous occupez d'eux. Débloquez des fonds pour ça. Vous avez tous pris des jus. Oui, vous êtes en train de bouffer. Je sais, on sait, c'est pas caché. Mais ce pourquoi vous êtes là, il faut penser à ça aussi. Il y a des gens qui ont beaucoup d'espoir, qui ont mis beaucoup d'espoir pour plusieurs raisons. Donc, il faut faire le nécessaire. Parce que vous, si vous avez la volonté, vous pouvez le faire. Oui, un démocrate est pressé. Un démocrate veut faire plaisir à son électorat. Même si on dit l'homosexualité, ils vont voter. C'est ça partout. Pour que l'homosexuel là aussi vote pour vous. Quand on dit là quoi là, ils ne vont jamais interdire les produits éclaircissants. Vous pouvez le faire. Hey, faites plaisir à votre créateur. Maman dit, Moumouya, fais plaisir à ton créateur. Ceux qui l'aiment là, fais ça. Tu vas voir les miracles qu'il va faire. Il y a des choses qu'il faut prendre le risque d'interdire dans ce pays. Kagame l'a fait. Il n'est pas musulman. Pas de produits éclaircissants dans son pays. Il n'en veut pas. La vente, elle est interdite. On te prend, c'est les amendes. Voilà. Elles n'ont qu'à rester comme Allah les a créées. Oui, le démocrate qui va venir, il n'a qu'à ramener. Celui qui veut manifester que parce qu'on a interdit le produit éclairci, il faut manifester que. Si tu n'as pas honte, il faut manifester pour ça aussi. Faux cheveux, là, il faut interdire. C'est-à-dire, il faut faire plaisir à. C'est ce que les démocrates. Les démocrates font plaisir à la population. Ils font plaisir à ses militants. Ils font plaisir à ses électeurs. Toi, ce n'est pas les militants et les électeurs qui t'ont amené. C'est Allah qui t'a amené. Tu n'es pas un envoyé ou un messie, non. Il veut montrer aux gens qu'il donne le pouvoir à qui il veut. Tu votes, bah, tu ne votes pas. Bah, s'il a envie de donner à quelqu'un, il va donner. C'est cette leçon qu'on doit en tirer. Et que donc, toi, tu n'as pas à faire plaisir à les produits, ça et autres. Ce que Allah n'aime pas là, tu essayes de canaliser ça. Toi, tu peux le faire. Voilà. Si, parce que je le lui dis ça, parce que lui, il est conscient. Il sait l'affaire islamique, là, il le sait. Il ne faut même pas douter. Mon frère, il ne faut même pas douter. Tout ce que tu le fais, tu fais dans le sens d'Allah, tu vas souffrir. Hein. Les gens ne vont pas te comprendre. Mais tu ne tomberas pas, Inch'Allah. Les gens ne te. Moi, il y a beaucoup de personnes qui ne me comprenaient pas avant, qui comprennent progressivement et qui ne comprennent pas aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont comprendre demain. Je ne m'inquiète même pas pour ça. Je ne me pose même pas la question là. Non, je ne me pose pas la question. Mais ce que je dois faire, il faut que je le fasse. Ceux à qui je parle en privé, ils ne sont pas sur Facebook, je les appelle. Je les parle, 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 parle. Une autre fois encore, j'appelle plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Après, si elles ne le font pas, moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. Donc, ça, ce sont des décisions qu'il faut écrire quelque part, garder quelque part, noter ça quelque part. Oui. Inch'Allah. Comme la population ne veut pas, la population refuse, la tête va le faire. Allah ne fait rien pour rien. Les démocrates vont te serrer. Une partie de la population va te coincer. Certaines de l'armée vont te serrer. Quand tu seras bien coincé, tu vas appuyer ta marche arrière. Marche arrière, là, c'est Allah. Retourner vers lui. Pour que l'armée comprenne, il faut les sensibiliser. Islamiquement, c'est pas. C'est-à-dire, ce que tu as découvert islamiquement, il faut le dire aux autres. Ils font pas, ils font pas, bah ça c'est pas ton problème.
Mais il faut le dire. Parce que quand tu le dis là, il y a des gens qui le font. C'est pas tout le monde qui ne le fait pas. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui en tiennent compte. Donc si toi, mon mari Doumbouya, t'as découvert quelque chose, il faut mettre un plan en marche pour que les autres puissent prier. Puisque l'armée, c'est la discipline. L'islam aussi, c'est la discipline. Voilà. Le problème de l'humanité, là, quand tu expliques aux gens, quand je te dis la mauvaise, je vous dis la mauvaise volonté du Guinéen, je vais vous expliquer. Tu vas discuter avec un groupe de personnes. L'armée n'est pas islamique. Quand ils sont venus au pouvoir, je vous l'ai dit, l'armée n'est pas islamique. Okay. Mais la démocratie que nous utilisons n'est pas islamique non plus. Mais quand tu vas expliquer le côté de l'armée qui n'est pas islamique, le démocrate, il est content. Jusqu'au moment où tu vas dire que lui aussi n'est pas islamique, c'est là qu'il va se fâcher. Mais tous les deux là peuvent arriver au pouvoir, mais ce n'est pas avec une base islamique. Non. Ils servent qui? Ils servent quoi? Un musulman qui se bat sans une base islamique, tu te bats pour qui? Je ne sais pas si on se rend compte de la gravité de ce que nous sommes en train de faire. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Mais Allah qui dit ça, nous sommes la Guinée qui est qui. Nous sommes en combat retard de fait. Nous sommes en train de Allah est en train de faire. Nous sommes en train de faire. Mais Allah est en train de parce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire. Nous sommes en train wa ko le ndena nde musera ba fe sigise e bore kolo. Vous pensez que moi je n'ai pas perdu beaucoup d'argent? Vous pensez que je n'ai pas perdu beaucoup d'amis? J'ai été obligée de tout changer, tout. Tout, j'ai tout changé. Pour faire plaisir à mon créateur. Oui. C'est lui qui m'importe. Donc, colonel Mamadi Doumbouya, je reviendrai sur la partie là. Je ferai une autre vidéo. Ce que tu as découvert là, les autres aussi doivent en bénéficier, doivent en profiter. Si toi, tu deviens un miracle, un bon musulman, qu'est-ce que c'est beau? Maintenant, toute la communauté internationale braquée, il n'y a pas de route. Quand on va djihadiste à gauche, djihadiste à droite, ils prennent quoi? Ils prennent les armes. Ça même, ça me fait rire. Tu te bats contre les Occidentaux avec les armes qu'ils ont fabriquées. Regardez-moi la bêtise. Tu te bats contre quelqu'un avec l'arme que lui, il a fabriquée. L'armée n'est pas islamique. Tout ce qui n'est pas islamique, l'islam combat ça avec les invocations sincères. Et honnête, c'est pas avec les armes. Non, j'ai discuté de ça avec quelqu'un qui m'a dit oui, mais au temps du prophète, paix et salut sur lui, eux aussi ils avaient des armes. Oui, mais c'est pas les mêmes armes qu'aujourd'hui, c'est pas la même quantité. Vous savez combien les armes génèrent comme argent, vous savez combien ça apporte, mais vous savez combien de dégâts ça fait. L'Afrique fabrique combien d'armes? Mais c'est qui les plus gros utilisateurs? C'est les Africains. Tous les États, tout leur argent va dans ça. Monsieur Alpha Condé était civil. Mais on le remercie pour ça. Il nous a amené la force spéciale. Allah ne fait rien pour rien. Mais la force spéciale, là, si eux changent, l'armée change, parce que c'est l'un de nos gros problèmes. L'armée n'est pas républicaine. L'armée, elle est violente. L'armée n'est pas civique ou civile, bah, ils n'aident pas la population. Mais on ne le sensibilise pas, comme ce que je viens de dire là. On ne le fait pas. Moi, je ne sais même pas, moi-même, j'ai pris l'idée là-haut. Vous voyez, quand Allah guide quelqu'un, comment il fait? Donc, au lieu, Mamadi Doumbouya, au lieu de comment on appelle ça? D'essayer comme Alpha Condé le faisait, comme les autres présidents le font, à essayer de manipuler les... Non, non, non. Il faut leur montrer le chemin d'Allah. Ils ont leurs armes. Mais
Premier, numéro un, c'est mon créateur d'abord. L'arme là vient derrière, derrière. L'heure de prière est arrivée. Je vais prier. Donc, l'islam prime sur l'armée. L'islam doit primer sur la République. Oui, ça c'est le discours des musulmans. Qui a la sincérité et la certitude dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'il va islamiser l'humanité. Mais ça veut dire qu'au fond de lui, c'est ce qu'il a. Allah va aider, va l'aider à réaliser ça. Parce que pratiquement, comme je l'ai dit, personne ne fait. Mais même ceux qui se battent se disent, mais comment on va faire? Par quelle méthode on va faire? Tellement que le chemin est mélangé, quoi. Il y a trop d'embûches. Il n'y a pas de passage. Je le dis encore, quand tu n'as pas vécu de miracle là, il n'y a pas de passage pour toi. Quand tu as vécu le miracle, tu vois les autres même bêtes. Quand je vois les gens, tu dis, mais comment quelqu'un peut être stupide comme ça? Je les vois, je ne sais même pas. C'est pour quand je vois des religions en Guinée, tu ne peux pas dire la vérité à un chef. Tu sers qui? Tu sers qui? Tu as peur d'un être humain. Tu es l'ambassadeur d'Allah. Tu as peur d'un être humain. Mais il y a une petite panne sur ta foi. Mm-hmm. Moi, c'est aujourd'hui que je me rends compte de tout ça. J'ai dit, mais un homme de Dieu même, un président est petit pour lui. Il est trop petit devant lui. Trop petit. Parce que vu que tu veux faire plaisir à ton créateur, non. Tout ce qu'il va te donner là, pour toi, ce n'est pas important. La fois dernière, la soeur Madame Maïga, elle me dit que, ah, même si on lui donne des milliards, elle ne va jamais enlever son voile là. Et quand elle dit ça, je dis, ah, tu sais, y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Il faut que ça t'arrive. Je souhaite, la seule punition que Allah peut faire à ce pays-là, c'est la punition-là. Que vous ayez honte de vos anciennes images. C'est ce... Si Allah amène la guerre en Guinée, ou bien et la maladie, non, non, non. Oh, à mon allez maintenant, à mon débarré. T'as mon yare faré. Ah, couli dans tout mon rossima. Mais là, on t'aurait, là, t'as mis la maman, on t'aurait. Il faut pas dire. On a le nour en Guinée aujourd'hui. On a le nour dans nos cœurs et dans nos âmes. C'est possible. Oui, c'est possible. Maintenant, les gens vont courir, venir effacer leurs vidéos. Les gens vont venir cacher leurs commentaires. Effacer leurs commentaires. C'est déjà parti, c'est trop tard. Maintenant, la génération d'après. Vous allez montrer les... On va montrer les anciennes photos. Ça, c'est où, ça? Ah, mais ça, c'est ici, Madina. Ici, là. Madina? Mais vous faites des courses comment ici, maman? Ah, on faisait... C'est pourquoi je dis... Aucun président n'a terrassé les ordures dans ce pays-là. Aucun. Aucun. Mais c'est pas possible. L'ordure qu'on peut recycler et vendre même. C'est triste. C'est triste pour l'humanité. C'est malheureux. C'est dommage. Oui. Mais Allah va s'occuper de vous, les Guinéens. Il s'occupera de sa Guinée, le moment venu, Inch'Allah. Kémi wali kolo, alay wali masim manebe. Khanamara, tu es créé pour adorer ton Allah d'abord. Tout ce que tu fais, c'est lui que tu mets d'abord. Dans ton cœur et dans ton âme, c'est d'abord lui. Mais Allah et l'islam sont devenus une option. Tandis que c'est ça le primordial et la priorité. Tout le reste vient derrière ça. Tout le reste. Tout. Tout.
on a peur. De qui, je ne sais pas. Moi, celui qui m'a levé dans mes problèmes là. Me donner un bon sommeil. Stabiliser ma vie. Quelqu'un va me dire que je ne me bats pas dans son sens. Que parce que tu n'es pas content. Ah! On va dans la garde là. Kini nous, il est ma fille. Adam a dit n'a pas mouru tout ma. Mais n'a peuple n'a pas mouru tout ma. Pays n'a pas mouru tout ma. Alors c'est bien une fille ma. Quand ça c'est mon affaire, regardez la circulation dans ce pays là. Eh mon Dieu. Regardez comment les Guinéens circulent. Deux voitures vont se rencontrer. Personne ne veut reculer. Tu vas avoir des enfants, des vieilles personnes assises dans ça. Et même dire au chauffeur de ne pas reculer. Si l'autre ne recule pas, des haja. Qui n'a pas vu cette scène-là, qui est là-bas? Violence. Barbarie. Toute la journée, ça insulte. Ça crie. Tu vas dans les marchés. Chacun a mis sa musique. C'est des musulmans. Ça klaxonne. Vous savez ici que c'est interdit de klaxonner. Vous le savez. En Guinée, ça klaxonne n'importe comment. Il y a des klaxons. Il y a nos bruits à nous qui crions aussi. Parce que nous, les Guinéens, quand on parle, on aime crier. Nous sommes des côtiers. Quand il y a l'eau autour, il paraît que les gens aiment crier. Bon, en même temps, Satan aussi est là-bas. À part ça, il y a la musique aussi. Donc, klaxon, bruit des humains et musique. Tu vas avoir une seule rangée là. Il y a combien de vendeurs de cassettes qui ont leur musique? Des musulmans, s'il vous plaît. Celui qui va te dire que Allah ne l'aide pas. Tu sers qui pour qu'il t'aide? Celui que tu sers, celui qui t'aide, qui est en train de t'aider. Tu n'as pas compris ça. Mais tu dois le comprendre tout seul. Donc, Mamadi Doumbouya va partir. Si on ne change pas, un autre va venir. On va faire les mêmes pleurnichements. Il va partir. Un autre va venir. On va faire les mêmes pleurnichements. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tandis que celui qui est en train de vendre ces cassettes-là, celui qui est en train de produire la musique, il sait que ce n'est pas bon. Celui qui vend l'alcool, il sait que ce n'est pas bon. Va dans les bars, la majorité des soulards, c'est qui? C'est les musulmans. C'est pourquoi quand je vois les accrochages avec les catholiques de Guinée, comment ils nous parlent là? Mais ils ont raison. Ça fait mal, mais c'est la vérité. C'est nous les gros soulards, c'est nous. Dans les bars, c'est nos soeurs. C'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est interdit. Ah, si j'arrête ça, qu'est-ce que je vais faire? Il faut d'abord arrêter. Vous pensez que les... Diam s'est arrêté de chanter, non? Elle a fait comment? Kamal dit, Madame Maïga, elle a arrêté, elle a fait comment? Il faut les demander pour qu'elles ont arrêté, ce qu'elles ont vu. Vous pensez que... J'ai des gens qui me disent ça souvent. Ah, Diam, tu as changé. Quand Allah sera prêt, moi aussi je vais changer. Donc chacun a son... Chacun a son propre envoyé, quoi. Non. Allah change quelqu'un qui était pire que toi. Donc, quelqu'un a tué 10 fois. Allah l'a changé. Toi, tu as tué 2 fois. Tu te dis, ah, il faut que moi aussi je tue 10 fois pour qu'il me change. Ça, ce n'est pas la mauvaise foi. Tu dois te dire, lui, il a tué 10 personnes. Allah l'a changé aujourd'hui. Ah, moi, je suis à 2. Ah, voilà, ah, je vais changer au lieu de, avant d'arriver à 10. Avant d'arriver même à 3 ou bien. Hein, non. Les gens, c'est-à-dire, ils a... je ne comprends pas. On dirait qu'il y a un magnétophone ou un truc qu'ils ont ancré la même chose dans la tête de tous les Guinéens. Oui, ils vont tous te dire pareil. Et ils ne se connaissent pas. Hein? Quand il sera prêt à me changer, il va te changer. Je dis, mais ma chérie, le privilège là, ce n'est pas pour tout le monde. Hein? Mais avant là, tu copiais ma sape, non? Il faut me copier encore. Oui, ça, ce n'est pas intéressant.
tu as copié la négativité, tu as pris mes mauvais comportements, mais aujourd'hui, tu ne veux pas prendre le bon. La mauvaise volonté, la mauvaise foi. Donc, nous avons beaucoup de mauvaise foi, il faut le reconnaître. Et c'est triste, c'est dommage. Moi, je me mets quelquefois, je ne sais pas si ça se dit, hein, de mon créateur. Je me dis, mais tu crées des gens pour qu'ils t'adorent. Tu les crées par amour pour qu'ils t'adorent. Hein? Ceux-là, tu es le dernier de leurs soucis. Il est vraiment pardonneur. Hein? C'est-à-dire, c'est à Allah qu'on peut faire ça. Et puis, il ne te fait rien. Il te laisse faire. Tu reviens, il te prend. Moi, ma bouche là dit que Allah n'existe pas. Astaghfirullah. Je l'ai dit. C'est parce que j'ai trop souffert. Mais je ne faisais pas ce qu'il voulait. Aujourd'hui, je me rends compte que parce que je ne faisais pas ce qu'il voulait, et il voulait que je l'appelle, je ne l'ai pas appelé. Quand je l'ai appelé, il est venu. Donc, je ne joue pas avec ça. Tout ce que j'avais proposé, même si on m'appelle à l'Assemblée nationale française ou je ne sais même pas où, je vais leur parler de l'islam. Je ne connais rien dedans. Mais lui, c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a aidé. Donc, selon mon exemple, c'est lui qui peut aider l'humanité. Vous là, c'est lui qui peut vous aider. C'est ça que je vais dire à Macron, c'est ça que je vais dire à Biden. On va dire, sortez la folle là d'ici, pardon. Eh bien, je vais sortir de là-bas avec mon Allah. La nuit, je vais faire rentrer ma plainte. Si je suis honnête et sincère, il me répondra quand il en aura envie. Voilà. Donc, c'est ça. Tout ce que vous êtes en train de faire, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Les couveuses, comme vous voulez aider les femmes, les couveuses, voilà, il faut chercher une solution à ça, se renseigner, les gynécos doivent se mettre à jour, les chirurgiens doivent se mettre à jour, un peu partout à travers la Guinée, les reformer, parce qu'il y a des nouveautés tous les jours, aujourd'hui rien n'est caché. Rien n'est caché. Et ceux qui ne veulent pas aller à l'intérieur, il faut trouver des solutions pour qu'ils partent à l'intérieur. Hein. Il faut trouver une solution pour désengorger Conakry. Là. Il faut trouver une solution. Trop de monde. Trop de monde. Conakry ne veut pas supporter tout ce monde-là. C'est parce que tout est concentré là. Tout est concentré à Conakry. Tout. Vous êtes parti à l'intérieur, vous avez vu la réalité. Ou bien, ça aussi c'est bien, puisque vous avez vu la réalité. Donc, vous allez creuser vos têtes. Vous avez fait de bonnes études. Beaucoup parmi vous, vous avez fait l'Occident. Vous creusez vos têtes. Les femmes, peut-être que c'est les perruques qui vous font mal réfléchir. Vous enlevez vos sales perruques là. Ça va vous aider. Inch'Allah. Donc, voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc, les boursiers, il faut leur donner leur argent. Pardon, hein. Faut bien réfléchir à ça, les passeports aussi. C'est mitigé, mais quoi qu'il en soit, il y a un problème quand même. Voilà. Beaucoup d'orphelinats, même les mosquées, là, il faut les répertorier. Il faut les répertorier les mosquées. Il faut qu'on sache combien de mosquées il y a en Guinée, combien d'imams il y a, comment ils vivent. Ils sont obligés de mentir et d'escroquer à gauche, à droite. Voilà, c'est pas... Mais quand vous avez chaud, c'est les imams là que vous appelez pour venir prier pour vous. Et ils ont leur rôle. Politiquement, socialement, ils ont leur rôle. Hein. Voilà, ils sont ceux qu'ils sont parce qu'il y a plein de bandits parmi eux. Beaucoup de bandits même. Parmi ces imams là. J'espère que c'est pas trop long. Merci pour les partages et pour les commentaires. Quand j'ai le temps, vous le savez, je fais des vidéos. Quand j'ai pas le temps... J'ai pas le temps, hein. Voilà. Donc, je regroupe plusieurs sujets. Le jour que j'ai le temps, je fais. Certes, ça sera long. Je suis désolée. Mais ceux qui tiennent à regarder, regarderont.
Et rassurez-vous, vu que c'est spirituel, ça va aller là où il faut, Inch'Allah. C'est ça. Gabaldé, tu as tout à fait raison, madame, mais en Guinée, il n'y a pas d'argent propre en Guinée. Est-ce qu'il y a l'argent propre dans l'humanité, même, ma chérie? Merci. Bonne soirée à toi aussi, Hadja Baldé. Bonne soirée à toi aussi, là-bas. Je ne sais pas où tu es. Souma, le roi, Souma. Bonsoir, tante chérie. Ta journée, ça va, j'espère, la maman. La maman de l'islam. Longue vie à toi. Longue vie à vous aussi. Sonou. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Ba Djibrahim. Bonsoir mon frère, comment tu vas là-bas? Bonsoir Samba Gabari, comment tu vas mon frère? J'espère que vous allez tous bien. Les lunettes, mais bon, ok, c'est trop tard. Merci à tout le monde. À bientôt, Inch'Allah. Comme je vous le dis, quand vous allez me voir, ça sera ça. Ceux qui sont dans une optique islamique, il ne faut pas vous décourager. Hein? Il faut faire beaucoup d'invocations, beaucoup de prières pour l'islam, quel que soit votre bord politique. Il faut que Allah et l'islam soient votre priorité. Voilà. Ça c'est un truc que Allah ne peut pas refuser. Il ne va pas refuser ça. De faire que l'islam triomphe, de donner la victoire à l'islam, de faire qu'on puisse vivre notre islam partout, tranquillement, librement. Il ne va pas refuser ça. Il faut le faire honnêtement et sincèrement, mettre tous les niminyama micmac politiques et ethniques de côté. Quand la partie là arrive, vous oubliez tout. Ethnie bas, politique bas, Paul bas, Pierre bas, Marie Sissoko bas, vous oubliez tout. Vous pensez ça, yati yati au fond de vous, tous les jours, régulièrement, toutes vos prières. Qu'il nous aide. Il ne faut pas vous décourager. Vous voyez beaucoup de choses à travers le monde que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas. C'est une question de temps, Inch'Allah. Mais c'est l'invocation qui peut détruire même une armée. Qui peut détruire, je ne sais même pas. Quand c'est sincère, wallahi. Quand c'est sincère, ça peut faire tomber n'importe quel. Je ne sais même pas comment vous dire. Il faut que vous ayez ça. Il faut que vous ayez ça. Ce n'est pas l'argent qui va régler ce problème. Non, ce n'est pas les armes non plus. Non. Ceux qui ont les armes là, ton invocation peut faire que quelqu'un laisse l'arbre. Que lui-même, il comprenne que ce n'est pas bon ce qu'il est en train de faire. C'est long. Un moment va venir de vous. C'est-à-dire, si cette certitude, cette sincérité n'est pas arrivée à un moment, à un certain niveau, un moment, tu vas te décourager. Comment tu vas, Adamatikidanke, chérie? J'espère que tu vas bien. Vous voyez, il ne faut pas vous décourager. Un moment là va venir. Vous allez voir que, on dirait que ça retarde ou que ça ne va pas se faire. Non, c'est Satan qui fait ça pour vous décourager. Il ne faut pas vous décourager. Vous allez continuer sur votre invocation là. Vous allez penser à tous les prophètes. Paix et salut sur eux tous. Vous allez penser à tous ceux-là, tout ce qu'eux ils ont fait. Avant, combien de mille d'années que eux ils ont fait les moqueries. Ils ont supporté ça. On les a insultés. Ils ont supporté ça. Payez-vous là. Quand on vous insulte, ça fait quoi? Quand on ne vous regarde pas, ça fait quoi? C'est Allah qui note ça. C'est lui qui veut voir ça sur vous. Surtout les femmes. Les hommes en Guinée là, c'est même pas la peine. Eux, ils ont échoué. Les Guinéennes, Allah vous aime. Les teintes noires, il vous aime. La force est dans le teint noir. Moi, je suis de teint clair. Mais la force est dans le teint noir. Je vais vous dire ça. Tout ça, là, c'est les manigances de Iblis. Pour vous faire croire que quand c'est clair,
C'est ça qui est bien. Il ment, c'est un menteur. Il connaît que ça, mentir, il n'a pas d'amis. Tu vas vieillir maintenant, ton visage là, ça va devenir quelque chose. Vous n'avez pas vu, moi j'ai un petit phare là, je ne sais même pas si c'est ici ou quelque part là, il y a un petit phare qui traîne là-bas là, qui est là depuis. Il ne veut pas partir. Et comme je n'ai rien dessus, il n'a qu'à rester là-bas comme ça. Si ce n'est même pas la caméra là, moi mon teint est devenu plus foncé que ça. Mais avec le temps, ça va aller, Inch'Allah. Sortez des saletés là. La musique limitée. Si vous pouvez éviter d'écouter, n'écoutez pas. Si vous allez là où c'est, vous n'avez pas le choix. Vous mettez le Coran, vous mettez, si vous avez le voile, vous mettez votre écouteur à l'intérieur. Vous écoutez le Coran, n'importe quelle sourate. Vous arrêtez d'écouter ces bêtises et ces conneries-là. Si vous êtes à la maison, la vache, sourate Bakra, vous écoutez ça. Si vous faites votre ménage, quoi, là, là où ça prend, parce que c'est long. Vous faites, vous profitez, vous faites votre ménage, vous vous occupez de vos enfants, vous vous occupez de vos choses. Les invocations de nuit, Allah aime beaucoup ça si vous avez le temps. Moi, ces jours-ci, c'est un peu compliqué parce que le Isha ici, il est à minuit. Le Maghrib, il est, hier, il était à 22h21. Vous voyez? Donc, quand je finis, comment on appelle ça, le Isha, dans la nuit, c'est un peu compliqué pour moi. Le matin, quand je voulais insister, ça me faisait rater la prière du petit matin. Donc, il y a un docteur qui m'a dit non. Les bonus là, les surrogatoires là, ne sont pas obligatoires. Il faut faire les obligatoires. Vous comprenez? Mais si vous avez la possibilité, vous voyez, il est toujours la journée ici. Hein? On est quelle 21h21. On est toujours la journée. Là où vous êtes, c'est plutôt pour vous. Et les hommes n'aiment pas ça. Prière de nuit, là. Mais ce n'est pas grave. Vous vous levez, vous prenez votre douche, vous faites les grandes ambitions, tous les trucs, vous faites tout, vous priez. Vous dites à Allah, Allah donne la victoire à l'islam. Fais de moi une bonne musulmane. Fais de moi comme tu veux, moi et ma famille. Fais des musulmans de toute l'humanité comme tu veux qu'ils soient. Faire de la Guinée comme tu veux que la Guinée soit. On a tout essayé. Si on est nombreuses, il va me dire, ah, Marie Chisoukou, ça fait longtemps que tu pries. Il commence à comprendre. Mais quand tu pries, quelquefois, ah, tu vois, hein, eux là, ils s'en fichent, c'est toi-même qui te casses la tête. Toi, tu es sorti dedans. Il faut les laisser dedans. Non, j'ai dit, je ne veux pas les laisser dedans. Je viens de quelque part. Un tout petit pays. Je viens de là-bas. Allah, tu m'as aimé. Je t'aime. Mais je viens de quelque part. À quoi ça sert cet amour si eux aussi n'en profitent pas, ils n'en bénéficient pas? Il faut les aider à cause de ton prophète bien-aimé. Paix et salut sur l'homme le plus aimé de toute l'humanité, le plus connu de toute l'humanité, le plus célèbre. Fais à cause de lui. Il faut les sauver. Quand tu vas les sauver là, tu vas les aider. C'est là que j'aurai la bouche dans quelques années. Je vais leur montrer leurs anciennes images. Inch'Allah. Je vais vous dire, vous voyez, non? Voilà. Maintenant et aujourd'hui, est-ce que c'est pareil? Regardez les deux photos là. C'est pareil. C'est pas Madina ça. C'est pareil. C'est pas pareil. Tu vas à Conakry maintenant, tu te promènes, c'est calme. Vous vous rendez compte le bruit là toute la journée, mes chers frères et sœurs? Les Occidentaux, ils font ça, malgré qu'ils ne sont pas musulmans. Tu mets la musique n'importe comment. Tu tympanises les gens. Vous nous avez demandé si on a envie d'écouter. Vous nous avez posé la question. Vous vendez vos cassettes. Celui qui vient, il connaît la musique qu'il va acheter, non? Tu mets, il écoute. S'il va acheter, il achète. Ça, c'est des trucs que l'État doit canaliser. Parce que pour le tympan, même pour lui, des enfants, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça, c'est des... Et comment on appelle ça? Le savoir-vivre. On ne l'a pas. Et puis, on impose à tout le monde. Moi, ça m'inquiète tellement. J'ai dit, le jour que je vais aller en Guinée, je vais faire comment? Hein? Comment je vais faire? Avant, tu vas en vacances. Même quand j'écoutais de la musique, vous êtes en train de parler. Chacun met la musique dans son téléphone. Vous êtes cinq. Peut-être je suis la seule. Tous les quatre là mettent la musique. Musique différente. J'ai beaucoup voyagé. Mais je n'ai pas vu un peuple comme ça. Mais puis, ils se croient quelque part. Hein?
Quand le Guinée a parlé, tu vas dire que toi, tu n'as rien fait de ta vie. Mais les autres pays vous attendent. Parce que tout le monde est fatigué de la Guinée. Ce qui va changer la Guinée, là, même la France va adopter ça, Inch'Allah. Parce qu'ils ont tout sorti sur nous, ça ne marche pas. La Guinée a changé quoi? À ce moment-là, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'on parle islam, 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 islam. On est toujours chez eux. On prend la mer. Mais dis-donc, les musulmans, la mer. Vous avez quelle solution? Votre islam, ça vous apporte quoi? Mais nous ne sommes pas en train de vivre en fonction de ça. Quelqu'un va te dire, ah, les Palestiniens, les Arabes. Mais c'est pourquoi on vous a dit que c'est universel. Notre bien-aimé est venu par là-bas, pourquoi? Parce qu'ils ont un mauvais comportement. Pourquoi moi je suis en train de parler de ma Guinée là? Pourquoi? Ben c'est parce que c'est là-bas qu'il y a ça que j'ai dit. Les autres là, ils ont des arguments. Tu vas des Côte d'Ivoire, ah, eux là-bas, ils sont mélangés. Tu vas des Sénégal, ah oui, eux aussi sont musulmans, mais ils n'ont pas toutes les richesses. Donc, c'est chez nous que tout se retrouve. Majorité, soi-disant musulmans, et Allah a tout donné. C'est chez nous qu'il n'y a pas d'argument pour échapper. Même ta copine ou ta famille, Allah t'aime. Dans toutes les familles là que Allah aime, là, c'est les plus qui sont à gauche. Mais quand vous allez voir cette personne-là, va se rapprocher de Dieu, vous allez voir que tout le monde va la suivre à la longue. Les autres sœurs même sont dépassées. C'est Allah celui qui peut faire ça. Tous les jours, moi j'ai dit ça moi-même, les gens aussi me disent. Tous les... T'as dit les mots dans tu peux pas croire quoi. C'est difficile, c'est quand tu te vois dedans. Mais, mashallah, je le remercie. Je le remercie tous les jours pour sa bonté. Wallahi. Moi, je vais me coucher aujourd'hui. Le jour que je ne travaille pas, je vais dormir jusqu'à 11 heures. Je disais ça à une copine hier qui a Guinée. Elle dit quoi? J'ai dit oui. Je me couchais avec la fille là. Quand on se couche, je dis ok, bon. Dis donc, bonne nuit. Hein? Moi, je vais dormir. Toi, bon, il faut te coucher et réfléchir. 2 ou 3 heures de sommeil par nuit. Combien d'années? Moi, j'ai grandi comme ça. Oui, ne dormais pas. C'est aujourd'hui que je me rends compte que mon âme est en danger. Et c'est dans le sommeil qu'on t'attrape. Mon âme se... Les gens souffrent. Les âmes souffrent en Afrique. Les âmes souffrent. Tout ce qu'on fait là, tout ce qui se bat pour la démocratie là, votre âme grandit la démocratie. Maintenant, la démocratie vient de qui? Si ça vient du démon, vous êtes en train de servir inconsciemment le démon. Tous ceux qui servent l'islam, honnêtement et sincèrement, vous n'êtes pas nombreux. Vous servez Allah. Tous ceux qui écoutent de la musique, si c'est Maître Gims, si c'est Michael Jackson, si c'est vos gens là même, je les laisse même, qui encore, n'importe qui dans le monde, vos âmes donnent la force à eux. Ce n'est pas qu'eux qui vous donnent la force, oui. Ce sont vos âmes qui leur donnent la force à eux. Maintenant, qui sont en train de servir? Tu regardes un film pareil. Tu regardes la comédie pareil. Quand je parle les Guinéens, musique, comédie, foot, tout et tout et tout et tout. Mais regardez leur fin en général. Vous prenez 10 personnes. 10 seulement. Quand les 10 là meurent, comment ils meurent? Comment ça se passe? Mais vous allez vérifier leur métier, c'est interdit par Allah. Mais c'est un pays laïque. Que voulez-vous? Ça ne peut pas marcher. Hein? Non, 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 non. Allah, sa personne, il a sa personne parmi les personnes. Il faut que sa personne-là l'appelle. Non. Tu vas seulement retarder. Mais tant que tu ne l'appelles pas, Satan va te fatiguer tous les jours. Vous pouvez même pas comprendre quoi. Affaire d'Allah là.
en fait, l'islam, ce n'est pas la blague. Hein. Si tu appliques ça, tu ne peux même pas faire du mal à quelqu'un. Non. Tu le laisses avec Dieu. Quand tu dis ça, honnêtement et sincèrement, ah, c'est comme si on a pris sac de malheur ou valise de malheur posée sur la tête de la personne. C'est pire que le tribunal. Wallahi. Non, l'islam est la solution. Hein? Ah non, 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 non. Ceux qui sont en train de se battre, quel que soit votre combat, wallahi, quelqu'un d'autre vient dans l'autre sens. Il n'est rien, il n'est personne, il va vous terrasser. Inch'Allah, Allah va faire sa fée où? Il va faire sa fée où? C'est ce qu'il veut. Donc les filles, les femmes, votre mari, ce n'est pas pour lui. C'est pour votre créateur. Ce n'est pas pour votre mari que vous faites. Hein? Les hommes-là qui s'y prennent mal, là, c'est leur âme qui réclame ça. Parce que vous leur faites entrer les saletés dans votre maison. Ils n'ont pas la méthode pour expliquer. Ça devient bagarre. Maintenant, quand toi, femme, tu vas te rapprocher d'Allah et ton mari est l'autre genre, tu vas comprendre ce que nos frères là vivent. Seulement, ils n'ont pas la bonne méthode. C'est tout. Quand toi, tu es comme ça là et ton entourage est autrement, c'est-à-dire ton entourage est comme tu étais avant, quoi, ton ancienne vie, la façon dont tu les vois là. Surtout parce que tu vois que c'est simple. Le problème qu'ils ont, c'est simple. La solution, elle est là, elle est simple. Mais ils refusent. Tiens, tu es courageuse. Vraiment. Ça fait 2 ans. Moi, je ne pensais même pas que tu allais supporter. J'ai dit, hein, ma chère, ma survie est dedans. C'est là que j'ai mon intérêt. Ce n'est pas autre chose. C'est ça. Je n'ai pas changé de poste, c'est quoi? C'est par là que j'ai eu ma petite paix, ma petite joie. Bon, alhamdoulilah, c'est par là que j'ai eu. Ce n'est pas pour autre chose. Ah, le jour que tu auras ta dose, là, tu vas changer. Mais il ne faut pas attendre le moment là. Les Guinéens et leurs mauvais rêves. Comme les maris de nuit, là. Rêver que tu couches avec quelqu'un. Homme ou femme. C'est pas bon. N'allez pas au marabout pour ça. Le marabout aussi te colle. Amdi, merci. Comment tu vas? Amdi, je vais t'appeler. Je t'avais dit non. Ou bien, toi-même, tu as compris. Aujourd'hui, là, quand même, je vais t'appeler, Inch'Allah. Vous avez vu? Vous allez aller voir les imams, les Paul et les Pierre. Ils vont écrire leur murkumarka. La nuit, ils vont rêver. Ça, c'est un autre chayatine aussi dans ta vie. Donc, toi-même, tout ce qui est interdit, essaye d'éviter. Ça va partir, Inch'Allah. C'est une question de temps. Avant que ça parte, je vous dis, les problèmes vont d'abord agrandir pour te dire que non, Allah ne peut rien pour toi, astaghfirullah. Ils te mettent ça dans la tête. Les rêves vont se surmultiplier. Ça. Tu vas vivre maintenant vrai, vrai. Voir des trucs vrais, vrais que personne ne voit. C'est-à-dire pour te faire passer pour une folle. Faut riposter, résister, redoubler la prière pour te dire que mon Allah, là, je ne quitte pas là-bas. C'est ici même. Mais si tu flanches, hein, moi-même, hein, je prie tous les jours, hein, ça n'a même pas c'était. Ça n'a même pas ceci. Ça aggrave. J'ai dit, il faut insister. Ça va partir, Inch'Allah. Ils vont te laisser. Ils vont revenir de temps en temps. De temps en temps, ils reviennent. Parce qu'ils ont perdu un bon élément. Si tu prends Maître Gims, il sort de tout ça. Regardez Michael Jackson, tout le succès qu'il a eu à travers le monde. Vous savez combien de personnes il a attiré? Imaginez celui-là. Il était devenu un musulman avant sa mort. Combien de personnes il allait attirer? Ce n'est pas le même nombre d'années. Mais beaucoup de personnes allaient partir de son côté. Wallahi, wallahi. Surtout ces jours-ci là même. Aujourd'hui, j'ai forcé là. Sinon, ce n'était pas bon. Oh, la chaleur a commencé, mes pieds ont gonflé. Ouh, tu as vu, non? Quand il fait chaud là, mes pieds gonflent. Mes doigts aussi gonflent parce que je transpire des mains et des pieds. Awatananaki, Amdi, à tout à l'heure, Inch'Allah. Merci, merci. Qu'Allah fasse de vous tous
Les bons musulmans, qu'Allah enlève la Guinée dans les ténèbres. Il a fait de moi un miracle. Il m'a aidé, il m'a sauvé. Je le demande de sauver l'humanité. Je ne suis rien, je suis toute petite dans toute cette histoire. Mais je sais qu'il m'entend. Je sais que Inch'Allah, il va me répondre. Au moment venu, il me répondra. Oui. À bientôt. Merci à tout le monde. Ne vous découragez pas. Ceux qui pensent que l'islam peut faire quelque chose, ne vous découragez pas. Ça se fait, Inch'Allah. C'est l'islam qui va sauver l'humanité. Et pourquoi la Guinée ne commence pas? Puisqu'on a tout essayé. Bon, en tout cas, c'est par là que je suis passée. Hein? Je suis très contente. Inch'Allah, je suis très contente de ma vie. Donc, je ne peux vous dire que ça. Mamaria Yaba, c'est quoi ton problème? Tu as perdu ta route ou bien tu as perdu l'adresse? Qu'Allah te pardonne, hein? C'est lui le pardonneur, qui sorte les chayatines de ton corps, qui sorte Iblis de ton corps, qu'il fasse de toi un bon musulman. Hein? Si tu es un bon musulman, qui te donne la sincérité et la certitude dans la foi, qu'il fasse que tu aies honte de moi un de ces jours. Moi, je ne te connais pas. Un jour que tu te dises, ah, une fois la dame là, la folle là, je suis tombée sur elle, je la prenais pour une folle, mais aujourd'hui, voilà la Guinée. Parce que ça, c'est un truc que je ne comprends pas chez les Guinéens qui est musulman. Tu vois une femme dans ce sens, même si elle n'est pas sincère. Mais elle, au moins, elle dit ça. Tu vois la mauvaise foi. Et ça, c'est des gens qui vont croire que c'est la démocratie qui va les sauver. Mais ils vont mémoriser le Coran. Ah, c'est contradictoire, rien. Mba ala woya ki mko nta woya ki ki yomuna islam nta nanto woya ki dira am dina lo woy nani lo wana gaila kini ki ma ya la da na wori to fa aki sinde les gens sont à l'envers, complètement à l'envers. C'est triste, c'est très triste, très très triste. Nala gine ke matu e comporter ma canere e wol ma canere a musulman ne tanna am dina tan konto flima nan tan konto flima di parce que c'est à dire c'est sera fan alama la gine ka tan atanna nan girifi c'est sera fan alama la gine ka nan girifi e pa na girima ne ouvertement amu yagi manara amu gahu manara nama toro ma sese anara ba fe na kine anu fan gratuita ito nambare ntangere fe da bi adam di uma am di na no magene de ba fe bi da he na gene ko no mane de ka kala mun so ai ko nan tang element fanyi element moderne ala so ma ri awa Awatanan naki, ala gauti dina l'islam kraya umma. La sincérité, la certitude dans la foi. Cette démocratie à la con bidon qui ne nous apporte rien là. Qu'Allah fasse que ces démocrates là comprennent qu'il faut avoir une base islamique. Sinon tu vas servir le shaitan. C'est pas un débat. C'est Allah qui a créé l'humanité, mais c'est Iblis qui gère le monde. On parie sur des chiffres partout. Mais est-ce qu'on gagne? Est-ce que ça donne? Ça ne donne pas. On pleure sans arrêt. Tous les jours, on est en train de pleurer. Bonsoir, madame. Où se trouve Dr Fakoli? Ou bien, il y a un divorce d'opinion entre vous? Asanatou, Dr Fakoli a un emploi du temps
incroyable. Un. De deux, moi-même, nos temps ne concordent pas. Vous le voyez. De trois, si j'ai un divorce d'opinion avec Dr. Fakoly, il y a des gens que je connais qui ont la même opinion que lui. De quatre, tu ne sais pas s'il a changé d'opinion aujourd'hui. Ou bien, voilà. De cinq, et à un moment donné, il voulait faire passer un message. S'il faisait passer le message là, ici, on va dire que c'est moi qui lui ai parlé. Donc, je lui ai dit, Dr. Fakoly, ça, c'est pas sur ma page. Voilà. Tu as compris? Mais le jour qu'il aura le temps, il viendra. Vous ne me comprenez pas. Un. De deux, vous ne me faites pas confiance. De trois, je ne veux même pas que vous me faites confiance. Vous avez compris? Voilà. Tara n'est seulement sœur, soit humble. L'habillement ne fait pas le roi ou le moine. Je ne suis pas humble dans quel sens? Je dis que les Guinéens n'ont pas la sincérité et la certitude dans la foi, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a de ne pas humble dans ça? Ça, c'est un pays que Allah est, honnêtement. Je ne suis pas humble. C'est-à-dire, moi, je ne vous comprends pas. Vous voulez que je fasse ce que vous voulez. Vous avez joué sur les vues, ça ne marche pas. Moi, j'ai ma route. C'est ce que vous ne comprenez pas. Allez-y regarder mes anciennes vidéos, vous allez comprendre. Qu'un musulman dise qu'il veut que ce soit l'islam qui triomphe, qu'est-ce qu'il y a de ne pas humble dans ça? C'est vous qui êtes à l'envers et vous allez regretter ça. Je le dis que les Guinéens vont regretter le côté islamique là. Je vais le dire tous les jours que Allah a fait. Tous les jours. Docteur Fakoly, moi, c'est moi qui l'ai amené sur Facebook. Docteur Fakoly, non. Ce qu'il a dit ici, ça n'a pas pris la force parce que c'est lui qui l'a dit. Ça a pris la force parce qu'il a dit sur la page de Marie Sissoko. Mais il était parti sur d'autres pages, il a parlé. Ça n'a rien donné. Il est revenu encore. Ce que Allah t'a donné là, quelqu'un d'autre ne peut pas t'enlever ça, mes chers frères et sœurs. Marie Sissoko, elle plaît, elle ne plaît pas. Vous pouvez reconnaître ce que vous voulez reconnaître. C'est comme ça. Si ça, c'est pas humble, je m'en fous, mon frère. Wallahi. Ce qu'on peut faire, chacun n'a qu'à faire. Ou bien, c'est ça. C'est certaines catégories de personnes pourquoi le temps d'Alpha Condé, il avait suffisamment de parler sur ma page. Il combattait Alpha Condé. Un. De deux, je vais rentrer dans sa vie privée. Il était en Allemagne. Aujourd'hui, sa famille a déménagé en Belgique. Et lui, il travaille en Suisse, selon les informations que j'ai. Donc, le week-end, il est vétérinaire. Le week-end, il doit rejoindre sa famille en Belgique. Quelquefois, il passe par l'Allemagne. Il doit rendre sa maison ou il doit la vendre ou quoi. Je vais rentrer dans sa vie privée. C'est un peu ça son programme. Et comme vous le dites, au temps d'Alpha Condé, il avait le temps. C'est ce que vous devez comprendre. C'est le temps de Mamadi Doumbouya. Ça a changé. Peut-être toi, tu t'attendais à un changement que tu n'as pas eu. Donc, tu ne te rends pas compte du changement. Mais ça a changé pour certaines personnes. Non, je vais un peu parler de ce que je connais. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais je résume. Voilà. Je ne peux pas l'interdire de dire ce qu'il a envie de dire. Il est occupé. Non, tu sais, il y a des gens qui pensent que tout le monde est malhonnête. C'est ce que certaines personnes pensent. Moi, quelqu'un ne peut pas me faire peur. J'ai envie de soutenir Mamadi Doumbouya. Je vais le soutenir. Je n'ai pas envie de le soutenir. Le jour que je n'aurai pas envie là. Ça aussi, je vais le dire. Que je ne le soutiens plus. Ça va lui enlever son pouvoir. Je n'ai pas ce pouvoir là. Ça va augmenter son pouvoir. Je n'ai pas ce pouvoir là. Mais seulement, je vais le faire savoir. Moi, j'ai été la seule à le faire ici. Soutenir quelqu'un pour qui je n'ai pas voté. Mettre sa photo. Il y avait un autre président. J'ai donné deux présidents à la Guinée. Ça même, c'était dangereux pour moi, même en France. Mais je l'ai fait. Mashallah, Allah m'a aidé. Je n'ai pas eu de problème. Maintenant, il y a quelqu'un qui est au pouvoir. Puis soutenir celui-là, c'est ce qui doit me faire peur, puisqu'il est déjà là-bas. Dis donc, mes chers frères et sœurs,
Même si vous ne me respectez pas, il faut vous respecter vous-même. Il y a des questions qu'il ne faut même pas poser. Dans la vie, il faut avoir la capacité de se dire que la dame là, il y a quelqu'un qui est déjà au pouvoir. Mais elle met une photo d'une autre personne ici. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Tout ce que les autres ne font pas, moi je suis capable de faire ça. Vous avez compris? Ça c'est ma nature. Mais peut-être certainement, certains plans de certaines personnes n'ont pas marché. Ils trouvent que je ne suis pas humble. Je ne vois pas ce que je fais qui n'est pas humble. Oui, on cherche partout des problèmes. Partout des problèmes. Parce que ça ne se passe pas comme on veut. Moi, le changement que j'attends, c'est ce que je vous dis tous les jours. Mais vous ne pouvez pas croire à ça. Parce que vous, quand je dis vous, certaines personnes ne sont pas dans cette optique. Leur niveau islamique n'est pas à ce niveau. Ils sont certainement nés dans ça. Moi, je ne suis pas née dedans. Moi, j'ai été sauvée par là. Donc, on ne peut pas se comprendre. Quand je parle des 3 jours à jeûner, les convertis à l'islam le font plus que ceux qui ont leurs 2 parents musulmans dans mon entourage. Parce que les convertis connaissent l'importance de l'islam. Ils le font, elles le font. Filles et garçons. Quand je le dis aux autres musulmans, ils me disent, ah, dis-donc, écoute, moi, quand j'ai fini mon ramadan, là, il ne faut pas me fatiguer, Yandi. Je ne peux pas. Mais c'est des gens qui sont pères et mères musulmans. Ça, c'est des choses que moi, je vis régulièrement. Ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas en Allah. C'est parce que ça, c'est leur degré de foi. C'est comme un arabe, un saoudien. Comment ils voient l'islam et comment quelqu'un d'autre le voit, ce n'est pas pareil. Eux, c'est leur culture. Nous, ça doit nous sauver, ça doit nous aider. Voilà. Docteur Fakoli, c'est ça son problème. Il n'a pas le temps. À un moment donné, il était très, très fâché. Je lui ai dit non. Tu ne diras pas ça sur ma page. Pourquoi? J'ai dit parce qu'on va dire que c'est moi qui te l'ai dit. Il m'a dit non, non, non. J'ai dit non, je sais de quoi je parle. Quand ces deux parties-là se sont retrouvées, il était très fâché. Très, très, très fâché. Ah non, non, comment il m'a parlé le jour-là? J'ai dit non. J'ai dit jamais, pas sur ma page. Moi, mon rôle est très difficile à comprendre. Très, très difficile à comprendre. Et je pense que c'est ce qui embête beaucoup de personnes. Parce qu'ils essayent toutes les cases qu'ils essayent, je ne rentre pas dans cette case. Oui, tant que l'acte posé n'est pas de son côté, est mauvais, oui. Mais il faut se dire que c'est pas toi seulement qui veux les actes posés. D'autres personnes aussi le réclament. Voilà, c'est ça qui est dommage. Quand je défendais la constitution ici, ceux qui étaient du FNDC, tous les jours, toi tu es RPG, c'est dans les commentaires. Je dis, je ne suis pas du RPG. Si je suis du RPG, je vais lui dire, qu'est-ce que vous allez me faire? Rien du tout. Mais cette constitution, il y a des choses que j'apprécie dedans, je la défends. Mais c'est ça la politique. Après, on l'a falsifiée. Je n'étais pas contente. Mais je le disais, cette constitution, je la veux. Mais je ne veux pas un troisième mandat. Mais les RPGistes qui me suivaient, pour eux, les deux étaient collés. On ne se comprenait pas. Finalement, il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, je me suis retournée contre M. Alpha Condé. C'est très simple. Ça, c'était mon droit. Je l'ai fait. Je défends M. Seloudel Ngallo. Pareil dans les commentaires. Tu es du FDG. Je ne suis pas du FDG. Je l'ai dit combien de fois. Mais comme la politique, c'est le mensonge pour certaines personnes, c'était très clair, c'est ça que je ne comprends pas quoi. Donc, celui qui me combat dans ce sens, tu ne peux pas gagner, c'est pas possible. Parce que j'ai été très très clair. Très clair, plus clair que le mot clair. Je ne suis pas de l'UFDG. Je suis une grande sympathisante. Des moments en particulier, des moments difficiles et tout, nous allons passer ce cap difficile. J'ai été très clair là-dessus. Aujourd'hui, c'est devenu un crime pour moi. Mais je n'aurais rien dit. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Vous savez pourquoi Allah a fait ça? Allah a fait que je soutienne Ngallo, parce qu'après Ngallo, il y aurait eu un Doumbouya. C'est tout. Mais il faut avoir la sincérité et la certitude dans la foi pour comprendre la communication de ton Créateur. C'est tout. C'est très simple, parce que la suite, c'était ça. Mais si certaines personnes ne comprennent pas certaines choses, parce que ça ne les arrange pas comme ça, je le disais pratiquement dans toutes les vidéos. Pratiquement. Oui, toi, tu es de l'UFDG. Mais si je suis de l'UFDG, je vais dire que je suis de l'UFDG, qu'est-ce que tu vas me faire? Et je le disais,
J'ai dit, j'ai eu le même problème avec le RPG. Je le disais encore. Et ça n'a pas raté. Tu vois? Et ça n'a pas raté. Oui, donc c'est ça. Moi, ce que je ne peux pas, ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne le fais pas aux autres. Donc, c'est pourquoi pour me combattre, c'est très, très compliqué. Vous allez dire, c'est humble, c'est pas humble, je m'en fous. C'est très, très compliqué parce que je ne dois rien à personne. Personne ne me doit rien, je ne dois rien à personne. C'est ça mon problème. Quand je veux faire un truc, je le fais. Il n'y a pas de moyen de pression. Moi, je suis Sissoko. Même aujourd'hui, quelqu'un me disait ça. Ah, avant dans les taxis, de temps en temps, il se disputait avec les gens. Qui disait, ah, la dame, elle est Sissoko, elle combat un mannequin pour les peules. Je dis oui. Je l'ai fait. Ça a coûté ce que ça a coûté, je ne le regrette pas. Si ça a à refaire, je le referai d'une autre manière, plus virulente d'ailleurs. Maintenant, je m'en fous de ce que les uns et les autres vont penser. Nous, on l'a fait. Fama Kanté l'a fait pratiquement tous les soirs. Je l'ai connu dans ça, je ne le connaissais pas. On se parle très, très rarement, très, très rarement. Amara Kaba, je ne le connais pas. Je n'ai jamais parlé avec lui. Mais je sais qu'il l'a fait aussi, à sa manière, plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, dans l'autre sens, ethniquement, qui le fait pour le colonel? Personne, parce que c'est ethnique et c'est communautaire. Il faut se dire la vérité. Si ça a à refaire, je ne regrette rien du tout. Absolument rien. Absolument rien. C'est ce que je devais faire. J'ai fait ce que je devais faire. Et je continue ce que je dois faire. Ce que je pense être juste et équitable, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et demain, dans 2-3 ans, j'ai envie de combattre le colonel, je le combattrai. Je n'ai pas besoin de l'aide de quelqu'un pour ça. Non. S'il y a des gens qui se sont dit, oui, on va jouer sur la visibilité parce qu'ils voient que ça, ça ne marche pas, ça les dérange. Moi, je m'en fous. Je m'en fous éperdument. Moi, je l'ai dit, le truc de Madik, je l'ai dit. Vous avez apporté quelque chose à Madik ou c'est Madik qui vous a apporté quelque chose? Je dis, moi, je sais que j'ai quelque chose à apporter à la société. Je le sais. C'est pas humble, peut-être. C'est pas modeste, mais il faut le dire. Je l'apporterai à Mamadi. Après lui, ça sera un autre. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'être payé pour ça. En tout cas, c'est ça. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'appelle pour ça. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me paye pour ça. Je pense que je suis dans la logique. Plusieurs personnes me parlent de ça, hein, même aujourd'hui aussi. Le même cousin là qui me disait qu'il a commencé à comprendre que j'ai raison, c'est l'islam et tout, il m'a dit la même chose. Il dit, il y a des partis politiques, tant que tu es dans leur sens, ça va, que mais c'est triste, c'est dommage qu'ils ne se rendent même pas compte. Qu'ils ne se rendent même pas compte. Il me dit, tu es dans ta logique politique, mais plus logique que toi politiquement, il n'y en a pas. Vous voyez ce genre de choses, on va te faire quitter ta route. Pour une histoire de visibilité. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Mais ceux qui font ça, ils n'ont rien compris. Hein? Ils n'ont rien compris. Maintenant, je ne suis pas humble. Parce que le plan n'a pas marché, je ne suis pas humble. Non. C'est parce que moi, pour me coincer, c'est un gros problème. Voilà. Ce que je vous dis là, c'est ce que je pense. Oui. Ce que je dis là, c'est ce que je pense. Maintenant, ceux qui pensent que je suis dans un combat ethnique, certaines personnes peuvent le penser. C'est quand Mamadi Doumbouya ou un autre président, pendant les élections, vont essayer de faire des manigances ethniques, je vais me retourner contre eux. Tout de suite, ah la dame là, vous avez vu, elle a encore changé. Non, j'ai mes principes. J'ai mes principes que je suis. Mes petits règlements que je me suis fixé moi-même. Tant que je suis dans ce sens-là, je pense que j'avais gagné. Allah ne va pas me faire honte. C'est tout. Moi, c'est lui que je veux qu'il me fasse gagner. Certaines personnes veulent que les humains les fassent gagner. Quand je dis ça, vous vous fâchez. Mais pourquoi on se fâche pour ça? Qu'est-ce que moi je dis ici qui n'est pas humble? Normalement, si le Guinéen est normal, si la majorité est normale, c'est ça que je vous dis. Moi, je dois être la plus suivie et la plus respectée. Normalement. Mais bon, on a l'image de notre pays. C'est pas ce qui va m'arrêter de...
Voilà, ça ne va pas m'arrêter. Parce que ce que je fais là, beaucoup de personnes me posent la question, comment je fais? Je dis, mais ce que je fais, je le dis devant tout le monde. La seule différence, c'est cette sincérité, cette certitude dans la foi. C'est la seule différence. C'est tout. Donc, concernant le docteur Fakoli, c'est ça, il n'y a pas un autre problème. Il a 50 000 numéros. Il est toujours en train de changer de numéro parce que c'est un monsieur qui ne comprend pas très bien l'affaire des smartphones là, apparemment. Je ne sais pas combien de Fakoli j'ai ici. Il a tellement de numéros. Allô, docteur, comment ça va? Allô, docteur? Oui, ça va? Ah, tu es sûr? Attends, 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 attends. Vas-y, répète. Tu dis quoi? Vas-y, vas-y. Tu es sûr? Ah, voilà, vous avez compris? Il est sur l'autoroute. Il est sur l'autoroute en Hollande. Il va en Allemagne. Je suis en direct, je t'ai mis sur haut-parleur parce que il y a des gens qui disent que pourquoi tu ne comment on appelle ça, pourquoi tu ne participes plus sur ma page, je l'ai dit, ton emploi du temps. Et ça trouve que. C'est vrai, j'ai raison. Voilà. Maman, maman, vous pouvez mettre sur le bon endroit. Je vais le conduire comme ça. Vous entre l'Allemagne. Et non, entre la Hollande et l'Allemagne. Une fois que je suis en Allemagne, je vous ferai signe. Et demain, je serai à Paris. Ah ouais, à demain, Inch'Allah, merci. Ok, ok. Parce que je rentre à 1h du matin en Allemagne. Eh, ah, bonne route. Bonne route, bonne route, bonne route. Qu'Allah te garde, qu'Allah te protège. Merci. D'accord. Bye, va bientôt, Inch'Allah. Vous avez compris, non? Qu'il est sur l'autoroute de. En Hollande, il va en Allemagne. Après l'Allemagne, il passe la nuit en Allemagne. Bah, il arrive à 1h du matin. Après, il va aller à Paris. C'est ce que je vous dis dans sa famille là-bas. Il est en plein déménagement. C'est pas facile. Voilà. Que demain, peut-être. Hein? C'est pas sûr parce que bon. Je ne vais pas l'empêcher de dire ce qu'il a envie de dire. Hein? Mais le Dr Fakoli n'est pas très très content. Voilà. C'est pas ce que vous imaginez. Hein? Les choses changent. Contrairement à ceux qui sont dans un combat ethnique, ça ne change pas pour eux. Mais il faudrait comprendre une chose. Docteur Fakoli, il est de Fatoya. Hein? On a fait plusieurs vidéos ici. Il a attaqué sa communauté plusieurs fois. Nous, nous l'avons fait. Hein? Les vidéos sont là, nous l'avons fait. Voilà. Plusieurs fois. Ammar Kaba, je ne le connais pas, mais je connais un de ses frères. En tout cas, il m'a dit que c'est son frère. J'ai souvent discuté. C'est-à-dire, quand je vais faire les mises à jour, je perds les numéros. Je ne comprends pas sur WhatsApp. Il a. Comment on appelle ça? Et en tout cas, il me dit que c'est le frère d'un des frères de. Ah, on va me demander encore pourquoi ce n'est pas lui qui m'a appelé. Quand tu vois quelqu'un qui n'a confiance en personne, c'est que lui-même, il est malhonnête. Toujours justifier, toujours se justifier, toujours se justifier, toujours. C'est incroyable ça. Il y a un gros problème dans ce pays. Hein? Il faut se remettre en question. Surtout ceux qui sont dans cette optique-là. Il faut vraiment vous remettre en question. Nous là, nous les faux malinqués là, parce que moi je suis basse-côtière. C'est mon nom de famille, son nom. Je n'ai jamais parlé malinqué dans une vidéo. Jamais. Parce que mon malinqué là, le jour que j'avais parlé de ça, les malinqués vont me rechercher pour me tuer. Jamais je n'ai parlé malinqué. Les gens me faisaient la remarque. Parce que je ne suis pas habituée. C'est bancal, plus bancal que le balinqué d'Alpha Condé. Mais Dr Fakoli, je me rappelle le jour qu'il a attaqué sa communauté ici. Les gens écrivaient que c'est un faux balinqué. Ce n'est pas un balinqué, c'est un bâtard. Il a été obligé de présenter son village. Je suis de Fatoya, je suis de quoi quoi. Il a tout dit ici. C'est un balinqué. Vous savez tout ce qu'il a perdu au temps d'Alpha Condé. Vous savez ça? Ce que nous, on a camouflé. Hey, c'est Allah qui donne la grandeur. Vous pouvez mettre ça là où vous voulez. Là où il y a la place, il faut mettre ça là-bas. Il y a combien de peuples ici qui défendent Mamadi Doumbouya corps et âme comme nous on a combattu Alpha Condé? Combien de peuples? Montrez-moi un seul qui fait une vidéo par semaine ou deux par semaine.
Fama le faisait tous les soirs. Je l'ai trouvé dedans. Moi, je le faisais, je ne peux pas dire la cadence. Ça dépend. Il y a des moments, c'était tous les soirs. Il y a des moments, c'était deux, trois fois par semaine. Ça dépend. Parce que moi, il y a des moments, je dure, je ne fais pas de vidéo. Maintenant, remboursement ethnique. Parce que c'est un business. Facebook, c'est un business spirituel. C'est pourquoi je dis que je ne combats pas. Je ne peux pas combattre quelqu'un que je n'ai jamais défendu. Vous ne comprenez pas quand je parle. Maintenant, je laisse tous les autres là. Je prends moi et Fama, nous deux. Malik est en prison. Fama et moi. Fama, une vidéo par jour. On va prendre comme ça. Moi, c'est pas... On va prendre trois vidéos par semaine. On va prendre comme ça. Maintenant, on veut un seul peul. Si c'est ethniquement, un seul peul qui fait deux vidéos par semaine pour me rembourser Fama et moi. Défendre corps et âme. Mamadi Doumbouya. Parce que c'est lui quand même qui a enlevé Alpha Condé. Qui parle de ça? Quelqu'un parle de ça? Vous pensez que nous on est bêtes? Vous pensez qu'on ne se respecte pas? On laisse les choses. Moi, je laisse les choses parce que j'ai une certaine grandeur. Je suis mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Que ce soit humble ou pas humble, c'est moi qui peux faire ça. Oui, si quelqu'un ne me le dit pas, moi, je vais me le dire à moi-même. Oui, Docteur Fakoli, je l'ai reçu ici. Combien de fois? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur les Malinkés? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur les Malinkés? Khaled Chérif Diallo, comment tu vas, ma soeur? J'espère que tu vas bien. Hein? Qu'est-ce que... Les vidéos sont là. C'est pourquoi j'aime les vidéos. Elles sont là. Vous savez ce que certaines personnes ont vécu dans leur communauté par rapport à ça. Mais on se rend compte aujourd'hui. Moi, je me rends compte de ma grandeur tous les jours. Parce que je n'ai pas vu un seul peul. Une seule fille peul ou un homme peul me remplacer. Je ne l'ai pas vu. Dans l'autre sens. Moi seul d'abord. Je laisse Fama. Je laisse Docteur Fakoli. Ma soeur, laisse-moi ça. Je parle de notre remboursement à nous. Voilà, ça c'est un autre problème. Moi je ne regarde pas celle-là, ça c'est un autre problème. C'est entre eux là-bas, c'était mon copain, c'était ici, c'est leur vengeance. Ce que nous on a fait pour combattre Alpha Condé. Ce qu'on a fait pour combattre Alpha Condé, je vous parle du moment des élections là qui se sont passées. Alpha Condé est parti. C'est un Malinké qui l'a fait partir. C'est un Malinké qui est revenu. Dans ce lot-là, qui est venu, quelqu'un parmi tous vos blogueurs là aujourd'hui, de l'UFDG, qui se dit, ah, le gars là, c'est un Malinké, il a enlevé un Malinké. Pour remplacer Marie Sissoko et Fama Kanté pour les rembourser, nous aussi, moi aussi je suis là. Tous les jours pour défendre Mamadi Doumbouya. Il ne faut pas m'amener dans un autre domaine. C'est très clair ce que je suis en train de dire. Qui le fait? Hein? Qui? Mais personne. Tout le monde s'est braqué contre lui parce que c'est communautaire, parce que c'est ethnique. Mais nous, on n'a pas regardé. Moi, je parle de moi. Moi, je n'ai pas regardé le côté ethnique. Hein. J'ai regardé que ce monsieur-là devait foutre le camp. Et je l'ai dit haut et fort. Pour l'affaiblir, il faut se mettre derrière la cellule de Nyando. Pour avoir des élections libres et transparentes, il faut soutenir Mamadi Doumbouya. C'est mon raisonnement. Demain, peut-être que je vais le regretter. Peut-être que je vais me faire insulter. Mais je ne pense pas à ça. Non, je m'en fous. En tout cas, communauté UFDG là, c'est eux qui ont profité de l'arrivée de Mamadi Doumbouya. Ou bien, non, je ne parle pas de moi. Les gens qui viennent écrire des bêtises ici, Khaled Chérif, je sais, ma soeur. Tu sais, ethniquement, là, il faut que quelqu'un aussi brave son ethnie. Nous, on a bravé pour nous. Et c'était constant et régulier. Et c'était virulent et très violent. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, il paraît qu'il y a des gens qui ont pris mes termes. C'est un maudit, c'est un délinquant. C'est moi qui ai amené ça ici. Malgré le voile, je l'ai fait. Parce que c'était nécessaire. On attend un peu un vrai qui a notre auteur, qui parle le bon français, pour le faire. Braver sa communauté. Dire que oui, grâce à Mamadi Doumbouya, aujourd'hui on prie en temps et en heure. Rien que ça, c'est pas petit. Il y avait des quartiers, on l'a dit ici, il y a des gens qui ont témoigné.
Il y a des quartiers qui rassemblaient toutes les prières pour prier. Si on ne fait pas ça, l'ethnocentrisme, ça ne partira pas. Je finis de là-bas. Je finis de là-bas. J'attaque les Damaro. Mon pari, le cognac. Le drogué des États-Unis, là. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur moi? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur moi publiquement ici? J'ai arrêté, j'ai continué. Vous aussi, il faut le faire. Il faut le faire maintenant. Oui, c'est ça. C'est comme ça on lutte contre l'ethnocentrisme. Une seule personne n'a qu'à sortir du lot, braver tout le monde. Une seule personne n'a qu'à le faire. C'est comme ça. Quand vous parlez, il faut réfléchir avant de parler. Les autres ne sont pas bêtes. Mais Allah a fait ça pour que nous on fasse ça, Alpha Condé, quand aujourd'hui arrive, pour qu'on continue. Parce que si on ne l'avait pas fait pour un Diallo, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on allait dire? Ah, comme lui, il est Doumbouya. Mais malgré ça, les gens le disent. Tu te bats dans ce sens, tu vas perdre. Oui, quiconque se bat dans ce sens, tu vas perdre. Parce que tu ne connais pas le degré de sincérité de la personne. Moi, vous ne me connaissez pas. Non, c'est faux. Womun Tankolo. Féou. Ah, Womun Tankolo. Féou. J'attends de voir ça. Et quiconque le fait, c'est moi qui ai commencé. La personne m'a copié. Oui, c'est pas humble, c'est pas modeste, mais si les autres ne le disent pas, je le dis. Donc il faut savoir respecter les gens pour qu'on vous respecte. C'est pas tout le monde qui a cette grandeur-là. Non. C'est pas tout le monde. J'ai attaqué la Haute-Guinée ici plusieurs fois et c'était sincère. C'était honnête. Et jusqu'à présent, s'ils reviennent dans ce sens, je vais les attaquer. J'ai fait une vidéo un jour. J'ai dit, tous ceux qui sont en train d'attaquer aujourd'hui, quoi que ce soit, demain, quand ils ne seront plus là, vous allez aller chercher les cognacés à cause de Damaro. Vous connaissez là où Damaro habite? Vous allez aller chercher tel ou tel malinké à cause de tel ou tel malinké. Non, vous savez là où Mamadi Gagné, en tout cas les malinké habitent. Vous allez aller chercher tel ou tel soussou. Vous savez là où Kassori habite. Vous savez là où ils habitent. Mais nous remarquons qu'il y a un sentiment anti-malinké très très grandissant. Très très grandissant. Mais il faut regarder là le rétroviseur. Si c'est ethnique, nous on a combattu les malinké. Et vraiment, hein, et ça a donné de la force. Parce que l'UFDG est reconnu pour un parti communautaire. Et moi, je le dis que tous les partis politiques en Guinée sont à base communautaire. Tous, tant qu'ils sont. Si le masque est tombé, le masque est tombé de l'autre côté. Pas nous, en tout cas, pas moi de mon côté à moi. Parce que moi, je suis sur ma logique. Je suis sur ma route. Personne ne m'enlèvera sur cette route. En tout cas, faire visibilité, là, ça ne donne pas. Ou bien ça donne. Ça ne donne pas. Souvent, ce que je propose, ça passe. Mashallah, par la grâce d'Allah. J'ai des idées, je les donne. Mais quand tu es habitué seulement à attaquer, 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 tu n'as même pas d'idée à donner. Il y a des gens qui attaquent parce qu'ils n'ont pas d'idée. Je ne vais pas passer ma... Elle n'a attaqué Alpha Condé. C'est lui qui vient, nous aussi. Je... Non, je lui propose. Je fais des vidéos, je propose. Si c'est intéressant, j'avais touché les bourses ici. Il y a quelques temps, les pensions, ce n'est pas sorti. C'est sorti. Je les connais. Ceux qui parlent, je ne les connais pas. Ça, c'est Allah qui fait ça. Mais quand tu ne veux pas voir là où il y a la vérité, tu es en train de te tromper. Comme se faire des films. Ah ouais, Docteur Fakoli ne vient pas. Docteur Fakoli a sa vie. Il a ses problèmes. Il a ses problèmes à lui. Il est entre trois pays aujourd'hui. Il n'est pas sur Facebook d'ailleurs. Quand je fais la vidéo, je lui envoie. Quelquefois, il n'a même pas le temps. Il ne maîtrise même pas même à faire de smartphone là. Vous comprenez? Il est dans son monde. C'est l'affaire d'Alpha Condé là qui le problème d'Alpha Condé là qui l'a amené ici sur Facebook. Il faut même le calmer. Je le calmais même dans les vidéos avant. Je l'enlève là-bas parce qu'elle veut même insulter. Vous voyez? C'est ça. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, toi tu veux mettre la personne là dans la boue. Et ça, c'est toi qui veux faire ça. Allah ne t'a pas autorisé ça. Ça ne se fera pas, Inch'Allah. Non. Ce que moi, je pense là, c'est ce que j'ai dit.
Ça, c'est ma nature. Je ne suis pas avec quelqu'un, je ne suis pas avec toi. Ah ben, et tu n'as aucun moyen de pression, mashallah. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'a pas existé pour le RPG, ça ne peut pas exister pour quelqu'un d'autre qui n'est même pas au pouvoir. Donc, c'est la suite de là où je suis là. Si tu veux une transition réussie, celui qui est là, tu le soutiens. J'ai parlé de tous les détails. Malheureusement, tout ce que j'ai dit, ça se passe aujourd'hui. Mais comme ça n'arrangeait pas certaines personnes, c'est toi qui es mauvais. C'est toi. Comme si ça va changer ma vie. Comme si je ne sais même pas ça va faire quoi. Ça va me faire quoi? Mes idées que j'ai, ce sont mes idées. Je m'assois ici, je donne. Celui qui veut prendre, tu prends. Tu ne veux pas prendre, mais tu ne prends pas. Mais tu ne peux rien me faire. Moi, la Guinée n'est pas dans mon programme. Depuis qu'ils sont venus, je suis partie là-bas. Je ne suis pas partie. Ah, c'est ça, Dieu. Ah, elle est vendue. C'est vérifié, je ne suis pas vendue. Ah, elle est arrogante. Ah, ça aussi, ça ne marche pas. Ah, elle n'est pas humble. Ah, ça. Vous allez creuser votre tête. Vous n'allez pas trouver. Vous savez pourquoi vous n'allez pas trouver? Parce que vous n'avez pas envie de voir la vérité en face. C'est tout. Sinon, la même cause que j'ai soutenue Paul, la même cause peut faire que je soutienne Pierre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et si la façon d'analyser elle est comme ça, comme ce que la fille là vient de dire, ça n'a même pas de sens. Vous êtes en train de parler des gens qui sont dans un parti politique, qui sont frustrés, ils quittent un parti pour aller dans un autre parti. Moi, je suis venue, je ne suis d'aucun de ces deux partis. Parce que je vois qu'ils sont en train d'exagérer. Il faut les départager. Un côté, c'est mon côté maternel, un côté, c'est mon côté paternel. Je suis mieux placée pour le faire. Moi, je peux attaquer toutes ces deux communautés-là. Normalement, ça passe. Toutes les trois communautés, quatre communautés, ça passe. Le fou des États-Unis, le drogué, là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur moi? Que j'ai attaqué sa communauté, quoi, quoi, quoi. C'est mon mari même qui est tombé sur la vidéo-là. Je vous l'ai dit, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas regardé. Ça m'a empêché, ça ne m'a pas empêché. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la politique. Il paraît qu'il défend aujourd'hui ce qu'il combattait. Il n'est pas vendu. Il n'est pas méchant. Il n'est pas mauvais. Ou bien, parce que ça, c'est normal. Allah Akbar. Si tu n'es pas juste avec toi-même, tu n'es pas juste avec ton prochain, Allah va te faire vivre l'injustice. C'est la politique qui est comme ça. La politique, c'est la guerre des intérêts. Aujourd'hui, tu n'es pas du même camp politique qu'un tel. Vous n'êtes pas du même camp. Demain, vous seriez du même camp. Ça doit, aujourd'hui, ce qui se passe doit faire réfléchir beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'eux, ils n'ont pas fait ici, sur nous-mêmes? Un jour, quelqu'un m'a appelé pour me dire que si c'est le papa de Fama ou le papa de qui, qu'ils ont traité de voleur de chèvres. Regarde-moi des choses comme ça. Vous savez ce que ça peut faire à une personne? Vrai ou faux? Et qu'on vous dise tous les jours, vous êtes des maudits, vous vous battez pour les peuples, c'est monté, c'est descendu. On les a écoutés, on ne les a pas écoutés. Alors je dis et je le répète, on attend un peuple impartial comme nous autres, sorti de nulle part. Deux fois par semaine, s'il vous plaît. Merci. Nous allons voir à ce moment-là si ce n'est pas communautaire. Évitez ma page et ne me cherchez pas. Moi, je fais ce que je veux et ce que je pense être juste et équitable. Que cela me plaise ou que ça me déplaise, je m'en fous. Voilà. Il faut capter la personnalité des gens. Ce qu'Alpha Condé n'a pas pu me faire, je m'en suis sorti là. Il aurait pu porter plainte contre moi ici. L'État français aurait même pu me contacter pour me dire, madame, ce que vous faites, c'est pas normal. La Guinée a déjà un président. Pourquoi vous affichez un autre président? Ah ouais. Je dis, nous aussi, on attend un peu, parce que c'est ethnique. Ou bien, bon, moi, j'attends un peu. Un bon, hein, pas un dévergondé, un vrai, qui a notre hauteur, qui va supporter les ricanements, qui va supporter les injures de maman, toutes les nuits, qui va supporter les maraboutages et autres, qui va avoir sa famille qui est menacée, qu'on va traiter de bâtard. Dans les commentaires et autres. Et même les femmes maudites. Si moi je suis femme maudite, les restes des Guinéens les sont quoi? Si moi, Marie, c'est ce que je suis maudite. Moi, je suis un sens interdit.
c'est valable pour tout le monde, machallah. Valable pour tout le monde, même pour mes parents. Voilà. Ce que je pense être équitable et juste, c'est ce que je fais. Regarde-moi l'injustice. Quelqu'un qui ne t'a pas payé, dit que quelqu'un d'autre t'a payé. Ah, toi, tu ne m'as pas payé. Pourquoi l'autre va me payer? Parce que tu es pauvre, c'est pourquoi tu ne m'as pas payé. Ou bien parce que tu t'es rendu compte qu'on ne peut pas me payer. La façon dont tu t'es rendu compte qu'on ne peut pas me payer, là, l'autre aussi le sait de la même manière. Parce que l'autre s'inspire de tes erreurs pour prendre mes idées. Tu as loupé. Parce que tu ne fais pas confiance. Parce que toi-même, tu ne te fais pas confiance. Il faut se faire confiance pour faire confiance aux autres. C'est pourquoi ce que je fais là, je le fais aveuglement. Je ne pense pas à demain. Non, non, non. Je ne veux pas regretter, je ne regretterai pas. Je pense qu'il fallait le faire. Et j'ai bien fait de le faire, mashallah. Très bien fait de le faire d'ailleurs. Yeah! Si je ne l'aurais pas fait aujourd'hui, je n'allais pas parler. Fait où? J'attends. Je vais demander à Fama Kanté, le jour qu'il va voir un peu qui fait des vidéos, un vrai. Deux fois par semaine, il n'a qu'à me tenir au courant. Je vais aller le partager. Il fait son moment aussi. Je partage. Je peux partager. Même si je ne regarde pas la vidéo, je peux appuyer sur partager quand même. Je partage. C'est comme ça. Si le masque est tombé, c'est de l'autre côté que c'est tombé. Donc chacun n'a qu'à rester dans son chacun. Facebook là, ici. La seule moyen de visibilité là. C'est ça. Et tu signales la page. Et tu fatigues la page, c'est tout. Ça ne veut pas dire ce que la personne... En tout cas, ce que Marie Sissoko dit là, que ça ne va pas se réaliser. Non, je demande à mon créateur, s'il veut, il va le réaliser. S'il ne veut pas, il ne va pas le réaliser. C'est tout. Personne ne peut gâter ça. C'est lui seul. C'est à lui que je donne. Humble bas, arrogante bas, payé bas. Vous allez chercher tous les mots, il n'y a pas de qualificatif. Quand c'est ça, c'est interdit là, tu laisses la partie là. Ça veut dire que c'est ça. C'est ça, c'est, ça n'a pas d'accès. Tu laisses ça. Moi, on me voit, on me laisse comme on me voit. C'est comme ça. C'est ma nature. C'est Allah qui m'a créé comme ça. Et il m'a récupéré. Parce que s'il ne m'avait pas récupéré là, ça allait être un dégât. Voilà. Quand j'ai découvert le business là, de son côté, c'est là-bas que je suis. Le reste là, je m'en fous. Je me couche. Je dors. Tu viens déranger mon sommeil. Je te saccage. J'appelle Allah, il te saccage pour moi. Vous aussi, il faut faire ça. Qui que tu sois dans la vie, tu es musulman, tu fais ça. Tu mets ça devant. Aïon. Sinon, tous les qualificatifs là, ça ne donne pas. J'attends le peu, là. Tous les partis politiques sont à base ethnique. Tous. On a dit qu'on a défendu les peuls. Nous, on attend un peu pour défendre le Malinké. C'est la logique, c'est le business. Moi, ça sera ça mon salaire. Quelqu'un qui va remplacer Marie Sissoko de l'autre côté pour qu'on m'appelle pour me dire, ah, tu as vu, non? Ah, mais toi aussi, tu as ton modèle là-bas. Qui va s'asseoir tous les soirs propre avec son petit verre. Hein? Sans musique, sans injure, maman de tel, papa de tel, non? Correctement, proprement. Expliquer les avantages de la transition, expliquer les bons côtés, les mauvais côtés de Mamadi Doumbouya, sans lui manquer de respect, avoir une deuxième ligne, un abonnement, tu t'assois, les gens appellent 2-3 heures, tu assistes, tu écoutes. Je veux voir ça. Mashallah. Voilà. Ce que tu ne peux pas faire, quand quelqu'un d'autre le fait, tu respectes ça. Parce que toi, tu ne peux pas. C'est tout. Tu dis que toi, tu as franchi un cap que moi, je ne peux pas franchir. Et on attend un Jarfa Koli de l'autre côté. Je vais lui envoyer la vidéo. J'espère qu'il aura le temps de regarder. Maintenant, quand il va venir demain, ou un autre jour, vous allez dire, ah, ils se sont attendus. Mais tout ce qu'il disait, c'est l'Alpha Condé, là, on ne s'est pas attendu sur ça. Il est venu parler de Mamadi Doumbouya, si je l'ai riposté. Mais là, c'est Volé Nengelo, qui va parler de, qui a parlé du mal de lui ici? Qui? Et que j'ai accepté. C'était interdit. Khayemou Walifa Yekolo,
Irana Kanigirima Noma. Non, on ne compare pas tout le monde. Non, 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 non. Tamo Girima. Féo. À la bouti manara. Voilà. C'est pourquoi je dis, comme mon mouvement là ne plaît pas, tu quittes la page là. À qui ça apporte là, il va regarder. S'il veut prendre, il va prendre. S'il ne veut pas prendre, il va laisser. C'est lui-même là-bas, avec ses affaires. Ça, je ne peux rien. Attends, Naki, à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Bientôt, dans 3 minutes. Ah ouais, Amdi, tu as vu, non? Il faut que je finisse de prier. Je vais essayer de t'appeler. Bye bye. Oh, oh. Au revoir. À bientôt. Hein? Et mon homme a fait une rana. Ibore naraba. Afala be merci. Kaye mon homme a yide so. Il n'a pas fait la rame moula marabala. Attends, mec. À bientôt, Inch'Allah. Merci. Alara muslim yamali. Alara sembefi muslim et muslim yama. Kana alara element fanyi na nyama. Nyani gefirare. Ala be net. N'cesse soutenir alara sembefi na fema. Alara mamadi d'oumbouya fini musulman fanyi la. Normalement, tout le monde doit soutenir la partie là. Si tu es musulman, pour qu'il soit un bon musulman. Mais s'il est un bon musulman, ça ne vous arrange pas rien. Ah, on a fait une perte de temps. Au revoir.